Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Ouais, ça fait pas longtemps qu'il a lancé le live. Oh, ça Oui, fait au moins une heure. Salut à tous. oui, bien sûr, bien sûr. Et bonsoir à tous. Salut David. Passez par route. Rebonsoir Tony, rebonsoir tout le monde, Tamia Kit. Salut Tamia, salut dans le chat Black, Rémi, Sébastien. Bonsoir à vous. Re tout le monde, c'est Rémi Modélisme. Hey, salut Rémi. Rebonsoir tout Salut le tout le monde, monde. le rusher. Le rusher. Le rusher. L'homme le plus rapide. Ouais, ça dépend l'âge. Hein. Et ça dépend qui. Dans les jeux vidéo, le rusher, c'est celui qui va le plus vite. Ah, voilà, oui. Est-ce que c'était vraiment le cas ou le pseudo est faux? Ah, le pseudo est vrai, c'est ju justement, c'est comme ça que j'ai eu mon pseudo. C'est comme ça que j'ai eu mon pseudo. Oh, ça tombe. Il y a un qui pète là. C'est Ouais. moi? On est à retour. Non, c'est moi, j'ai coupé. Et salut à Black, Pascal Soudé, Sébastien Fosser, et voilà Benz Bike. Ouh, ça nous donne C'est là. bientôt une famille, hein. Ben oui. Hein. Bonsoir Tony, Stéphane 276. Ah, c'est 207 fautes cette année? Alors, salut Stéphane. Hier, c'était 476. Crois que Tony va nous adopter bientôt, on va Et prendre conscience. c'est marqué 476. Ouais, mais c'est Mais Tony qui a décollé. ça c'est oui, c'est je pense que c'est hors taxe. Hey, David? Oui. J'ai reçu ton courrier en fait. Enfin, Ah. ton colis. Ah bah c'est cool. J'ai Oui. d'aller voir le botanique, j'avais oublié d'y aller tout à l'heure. Je viens d'y aller. T'as le facteur qui passe de nuit ou quoi? Il a pris Non, sa c'est parce que remorque et t'as il y a le. été. Là, c'est pas ça, c'est que tout à l'heure, j'avais complètement oublié d'aller voir le courrier. Et je me suis dit, bah attends, tiens, je vais aller voir si j'ai pas reçu le courrier, pour le colis. Et au final, bah, je l'ai reçu aujourd'hui. Il y avait des bonbons avec, j'espère. Et Tout de quoi? suite. Des bonbons. Je sais pas, je l'ai pas encore ouvert. Je viens d'aller que je dois le chercher. Oh bah, on va parler unboxing alors. Là, tu nous montres le Ouais, paquet? je vais faire une petite vidéo unbox juste après. Ah bah, tu peux nous faire Bon, un petit en tout cas, tour. merci, merci, hein, David. De rien, écoute. Ça fait plaisir. Je pense que tu seras encore plus content quand tu vas ouvrir. Le mets des surprises. Bah oui. Des bonbons. De toute façon, je vais faire une vidéo. De toute façon, je vais quand même rester sur le Discord. Mais je vais faire une vidéo avant de finir de regarder le live à Tony. Je suis impatient. Et tu y as donné envie d'ouvrir. Oh. Christophe Legros. Bonsoir les gars. Oh. Ah. Salut Christophe Legros. Monsieur Christophe. Bon, Salut. tu t'es pris une opération aujourd'hui, Christophe, ou quoi? Non, non, mais ça bientôt, ça va pas tarder. Je suis la kiné, mais le bras, enfin, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ouais. Quoi, ils font des Ouais. promos sur les coloscopies? Ouais. Ah. Ils ont arrêté au bout de 2 mètres de caméra, ils ont arrêté, ils voyaient rien. Voilà, ouais. Ils se sont dit, on est dans le noir, on ressort. T'as filmé quoi, Christophe? Il connaît pas, il a pas 50 ans. Ah oui. Non, bientôt. Bientôt 50 ans. Fais chier. Oui, ça va être le mot. Ça va être le mot. Retiens ce mot-là.
C'est pas faux. Non, maintenant il paraît que ça a changé. Ah oui, il t'endorme. Ah, pour toi. Non, il te file un truc. Tu fais les prélèvements de sel et puis t'as même plus besoin de coloscopie. Bon. Ah non, t'es obligé quand même. Ce que t'as mangé, c'était pas un truc, c'était le suppositoire que t'as mangé. Et bonsoir Daniel. Bonsoir à Rémi Gado. Salut Rémi, salut Daniel, salut bon anniversaire Rémi Gado. Bonsoir Daniel. Bonsoir monsieur Daniel. Il a l'air super épais le masque, Tony. Ouais. On dirait. Un peu plus que d'habitude, on dirait. Il est où ton joli toutou, Tony? Mon toutou? Oui, il y avait ça. Ouais. Ah, bon. Son labrador. Fais gaffe. En Suisse, ils les aiment bien, les labradors. Pourquoi tu dis ça? Oui, j'aime bien les labradors. Ouais, j'en ai eu deux, moi. Gypsy et Cannelle. T'as eu un chien, Tony? Bah là, pendant quelques jours encore, j'ai récupéré le chien que j'avais eu pendant plus d'un an et que j'ai dû rendre. Il s'appelle comment, Bumblebee? C'est une fille, elle s'appelle Phoenix, elle a un an et demi. C'est une LOA, comme le chien pour la voiture, c'est une LOA pour le chien. Non, ça peut être aussi les chiens d'aveugles, les trucs comme ça aussi. Ouais, ouais. C'est ça. Les chiens d'aveugles, il l'avait dit tout. Rémi, t'as pas pris la stunt avec toi? Gado. Et en fait, son éducatrice, elle est partie en remise de chiens d'aveugles pendant 15 jours à Montpellier. Et du coup, il fallait une famille d'hébergement pendant 15 jours. Voilà. Ouais, ça t'a fait plaisir pendant 15 jours quand même. Je dois la rendre lundi matin. Bah, nous, on l'a eu pendant un an et demi avec le Covid. Et, t'as passé un bon moment avec elle. Ouais. T'as dû t'attacher là. Oh, c'est terrible. Hein. Mais ça, non, mais il vaut mieux que ça se passe comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu 5 chiens et ils sont tous décédés. Quand tu les vois partir, c'est un morceau du cœur qui s'en va. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout lors des décès. Maintenant, mais j'ai dit stop, c'est fini. Elle avait quel âge, à quel âge le chien, Tony? Un an et demi. Enfin, bientôt. Non, ouais, deux ans. Deux ans. Ouais. Ah ouais, ok, ouais, j'allais dire, ouais, tu l'avais pas eu chaud, en fait. Non. Bon, Bumblebee, tu viens, parce qu'il est dans le général, il est caché. Il est tiraillé. Ah, c'est fait, Tony. David. Ouais, j'ai vu. Et Bumblebee, il est dans son coin, il fait des bulles. Non, mais c'est les Transformers, tu connais pas. Ah oui, Transformers, oui. Ouais. Tony se rapproche des 1900, hein, 1,89. Ouais. Ah, ça ralentit un petit peu, je pense, en ce moment. Ça va sentir le champagne. Le champagne. En fait, Bumblebee, c'est pas un Transformer, c'est un Transformiste. Yo. Yo Bumblebee, yo brother, ça va? Il fait des nuits parisiennes, Bumblebee. Bonne de brigand, parle-moi, Tony va mettre des talons aiguilles. Ça va te remonter la croupe, Tony, si tu mets des talons aiguilles. Et pourquoi vous voulez que je mette des talons aiguilles? J'ai pas compris. Les 2000 abonnés. Ah. Pour les 2000. Ta femme, elle fait du 43, Tony, ou pas? Non, pas du tout. Non, pour les 2000 abonnés, j'ai une Dremel Parkside que je me sers pas, je vais la mettre en jeu. On coupera les bouts des chaussures. T'as surtout une Dremel qui va pas, ouais. La Dremel, moi, ça fait la deuxième que je fonds. Hein. Oh bah là, elle m'a servi 10 secondes, elle marchait plus. Et le problème, c'est que j'avais jeté le ticket. Je l'ai ramené chez Leroy Merlin, pour pas les citer. Et la personne me dit, bah oui, mais c'est pas du matériel professionnel. Mais j'y attendais, je m'en suis servi une demi-heure maximum. Et j'étais pas à fond. L'usinage. Elle m'a dit, ouais, mais non, il faut pas l'utiliser une demi-heure. Mais j'ai dit, voilà, il faut qu'elle reste chez vous.
Non, mais une Dremel, la vraie Dremel ou bien une La copie? Dremel, non, non, une vraie Dremel, Leroy Merlin, elle avait acheté 70 euros. La vraie Dremel, elle est costaud en principe quand même. Ah non, 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 non. Je l'ai encore, là. Du coup, je l'ai gardé parce qu'ils n'ont pas voulu la prendre sous garantie. Et maintenant, ça sera un choix à faire, je prendrai du Pronxy. Bon, bah, tu sais, moi j'ai eu le Pronxy. problème. Bon, après, moi j'ai acheté une perceuse Bosch, mais entrée de gamme, tu sais, les vertes là, mais Chez, électriques. voilà, chez Bosch, tu as deux gammes. Tu as la verte et la bleue. La bleue, c'est J'ai acheté. professionnel. La verte, c'est particulier. Vois, moi j'avais besoin parce que j'ai fait une cabane de jardin, je vous explique ma vie. Et puis ils ont fait une dalle en béton armé, tu veux, poser la cabane, enfin l'abri de jardin. Puis je devais l'ancrer, puis je devais percer dans la dalle. Puis moi j'ai acheté une perceuse. Voilà, Elle quoi, fait une pas percussion aussi. perceuse à percussion quand même, mais un peu Ouais. faiblichonne. En fait, j'ai fait mes 15 trous, puis voilà, elle a pas aimé. Elle a commencé à Elle a rendu l'âme comme une pauvre perceuse. une petite fumée blanche. La gamme verte de chez Bosch, c'est un bobinage en aluminium. Ouais, alors Et ça. la gamme bleue de chez Bosch, c'est un bobinage en cuivre, qui D'accord. supporte beaucoup plus les Alors, elle n'est pas chaleurs. foutue, elle n'est pas foutue, mais elle a fortement chauffé, puis elle sentait le chaud. Après, elle n'est pas foutue. Après, je sais pas si elle est encore valable ou pas, tu vois. Après, je ne me rends pas compte, elle tourne encore, si tu veux, mais elle a chauffé durement. Alors, je n'ai pas les moteurs brochettes, ça, c'est pas pour moteur brochette, ils perdent la puissance. Suivant si tu as fondu un bobinage. Non, mais elle tourne nickel, quoi. Elle prend les tours et tout encore, donc. Juste pas. Je vais arrêter le béton armé. Hein. Je sais que Et c'était pas. perce dans le chocolat, Tamia, c'est plus facile. Non, mais c'était pas l'outil adéquat, genre. En 10 mm. Bah non, il faut un perforateur hein, pour la chape de béton. Faut quelque Ouais. chose de costaud. Ouais, mais bon, c'est 200 balles. Ah, ou alors, soit que tu as un ami, mais souvent, le matériel, moi, je le prêtais pas parce que. Même je demande pas à personne, il Ah suffit que tu le crames. mais bon. Ouais, mais j'ai payé 50 balles la perceuse Bosch. Ah ouais, bah c'est après c'est la petite perceuse de tous les jours à 50 Ouais, balles. ah ben oui, c'est ce que je te dis. Mais quand même Mais avec la percussion dessus. j'avais vu acheter une perceuse premier prix, une perceuse sans fil, il y a longtemps. Et je l'ai eu longtemps, elle marchait bien. Bon, elle est morte de sa belle mort dans un bidon de 200 litres de flotte. Mais Ah. Et tu l'as noyé, assassin. un coup de coude dedans. Et bah, je te jure que j'avais acheté mes 3 francs 6 sous. Et je lui en ai mis plein la tronche, hein, parce que moi, le bricolage, j'en ai fait des tonnes. Elle a marché. Putain, j'étais dégoûté. J'ai voulu la sauver, la réanimer, mais Les objets je l'ai d'antan, enterré. aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Hein. Ouais, je l'ai enterré au fond du jardin. Stéphane qui traumatise les gamins. Mais c'est pas Stéphane, c'est toi Stéphane? Non, dans le Discord, dans le général. Non mais c'est la faute, c'est toi Stéphane en photo. Tony? Quoi? Ouais. Je voulais te envoyer commander chez Vartel les carrosseries. Oui. T'es livré chez toi, mais j'ai pas ton adresse. Dans le fichier des tarifs carrosserie, on regarde en bas. Il y a Ah, j'ai l'adresse. regardé, j'ai pas trouvé, alors j'ai fait En ma bas brêle. du tarif des carrosseries. Il y a Sur ton truc de YouTube. Sur ton truc de YouTube. Salut Manu. le lien du tarif des carrosseries, des peintures de carrosserie, que j'arrête pas de vous donner là. En bas de ce Dans tarif. la copie. Non, je l'ai pas. J'ai encore mis hier dans le chat, j'ai mis dans le général. Je le mets quasiment une fois tous les Attention, jours. Tony, si je peux me permettre une petite remarque. Quand tu la mets dans le chat YouTube, elle ne ressort pas après. Ah bon? Parce que déjà la première fois, quand tu l'as mis, on m'avait dit oui, mais c'est dans le chat, tu regardes dans le chat. Et j'ai regardé dans le chat, Elle disparaît il après. était sur la vidéo. Sur la vidéo, il apparaissait parce que tu as une retransmission du chat. Mais à droite, dans les écrits, il disparaît. Donc si Il tu veux cliquer dessus, il s'enlève. Alors, il y a Daniel qui. Qu'est-ce qu'il parle? Et comme électronique, le ST8, c'est bien un moteur 1900 kW.
C'est pourquoi ça? Tu veux mettre ça sur quoi? À sa burette peut-être, non? Christophe, je te l'ai mis dans le général, le lien. Ah, attends. Oh. Ah, mais il parle avec toi, Claude, Daniel. Daniel, il parle avec moi, oui. Excuse alors. Merci, Tony. Tu regardes en bas du fichier. Attends, si ça s'ouvre. Ah, il y a Cro qui dit que tu dois le rouler, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris, Tamia. Christophe devrait aller te coucher demain. On a du boulot. Ouais. Ouais, demain, je vais chez Monsieur Accro demain, toute la journée. Alors. D'accord. Bah nickel, là je l'ai. Comme ça je commande ça lundi ou mardi. Puis je te les envoie, Tony. D'accord, d'accord. Comme ça, sans t'embêter. Nickel. Je te remercie. Ça sera du jaune, du jaune. Ah, les PC, la voiture, elle dépense pas. Donc là, on est parti sur du rouge, les amis. Voilà. Le rouge. Bonjour, Sylvain. Du rouge avec des effets, Stéphane, hein, c'est cela? C'est cela, mais. Alors, tu m'avais dit quoi comme effet dans le rouge? Parce que dans le bleu, j'ai mis du nid d'abeille et dans les rouges, tu voudrais plutôt des. Comme sur la carrosserie de, tu m'as dit, de Christophe. Ouais, les trucs avec les barres, là, Sébastien Loeb, ils ont les mêmes sur leur voiture. Les mêmes effets que j'ai mis sur la carrosserie BT Design de Christophe Leroux. Vas-y, si tu me sors la tôle, je vais te dire violent. Ah, c'était celle à peu près celle-ci. T'as fait les espèces de traits en longueur, là, arrondis. C'était celle-ci que j'ai utilisée. Ah, celle-là, ouais. Ok, ok, ok. Et dans le type lobe, ils ont ça sur leur toit de golf. Alors, bonsoir à tous. Je le redis, hein, parce que bah, maintenant que ça fait 10 minutes, 5-10 minutes que le chat, que le stream est lancé, il y a déjà 24 personnes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. On va attaquer le rouge. J'ai fini avec tout ce qui est bleu. Alors, on va pouvoir ranger les bleus. Je vais me faire des pots par teinte, ça ira plus vite. Qu'est-ce qu'il a mis à quoi? J'ai acheté des petits bacs de chez Action. Voilà. Tout ce qui est bleu, mauve, on va mettre dans le même pot. À Christophe, ouais. J'espère que vous ne travaillez pas dehors parce qu'il pleut. Non, 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 on fait les RC. On fait mes voitures chez lui tranquillement. Ah ouais? Oui, comme j'ai pas de poste à soudure, avec le nouveau Vario pour le VS Pro, on y remet un film carbone. Et comme il est déjà nettoyé, tout est propre, comme ça, et après, je le mets en vente. Voilà, bac des bleus, ici. Qu'est-ce qu'il a noté à Cro encore? Comme je ne savais pas ce qui se passait. Des rouges. Tu joues à Rémi, David? Mais... Non, mais je suis arrivé, j'ai vu le message, j'ai dit bon. Du 25-2, il te faut la grue avec. Alors, on est sur un rouge qui est plutôt foncé, hein, je crois, de mémoire. Tiens, Tony, t'as une question dans le chat YouTube. Alors, ok, Manu, c'est quoi sa question? Non, c'est GB.
Non, non, c'est parce que là je réponds, il y a aussi des questions dans le Discord. Attends, là je cherche les photos de la carreau de monsieur. Attends, je vais te la lire. Tony, petite question. Tu saurais peindre une ligne arabesque d'un centimètre de large et sur toute la longueur de la carreau? Ça va pas être facile. Après, idéalement, il faudrait que tu. La personne qui a dit ça, je sais pas qui, c'est. Il faudrait envoyer un exemple. GB. C'est chez B. Ah oui. Ouais, il faudrait d'abord que tu m'envoies un exemple. On sait jamais. Hein. Je préfère vérifier. Mais. Oui, je pense. On la dessine. Après, je la découpe au cutter. Et puis, ça doit être faisable. Si c'est un bord net. Non, c'est plutôt un rouge normal, hein, le rouge que tu me demandes de Sébastien Loeb. C'est un rouge Racing Club de Lens. C'est ça, les 100 et or, c'est Lens. C'est toi qui dis ça, Racing Club de Lens. Alors, hop. J'avais quoi? Un rouge voiture de pompier. Ouais, bah, c'est le rouge du coin. Ces deux-là, ils iront. Par contre, je réfléchis pour les effets. Avec quoi? Pour un gars de 49, un rouge sang et or. Je peux te mettre de l'or, hein. Comme ça on fait des reflets sang et or. Pardon. Bonne nuit, Tamia. Le drapeau normand a les mêmes couleurs, hein. C'est sang et or. Hein? Alors. Il faut que la majorité de la couleur soit de ce rouge-là. Et les effets, avec quoi je vais les faire? Par contre, Tamia, quand tu veux faire une voiture patriotique, ils prennent ça pour une ambulance chez toi ou quoi? Oh, pan, et hop, ça. Ça, c'est fait. Non, ça. Faire une Eric Suite patriotique, la 8ème piste avec le drapeau suisse. Ouais, c'est la prochaine carreau que fera Tony. Une voiture patriotique suisse. Avec la vache Milka sur l'aileron. Ah oui, pourquoi pas? Oui, bah tu fais une ambulance, quoi. Le salaud. Non, mais je verrai. Non. Je crois que c'est à tout qui va arriver en même temps. On devra faire tirer à la courte paille. Ouais, parce que là, il y a le plus gros porte-conteneur qui marche à l'hydrogène qui est arrivé au Havre aujourd'hui, là. C'est-à-dire? Donc il était chargé, il venait d'Asie, plus gros porte-conteneur du monde qui marche à l'hydrogène. Non, mais moi ça vient de Slovaquie. Donc ça... C'est bien ça, ça pollue pas. À mon avis, ça pollue moins, peut-être, on va dire. Alors je te propose des effets. Soit dans le rouge, je fais des effets en gris argenté. Donc il sera léger. Donc, en fait ils seront même rouge argenté, plutôt gris rouge argenté, ou alors qu'est-ce que j'allais dire, ou alors les effets orange. Non, gris rouge argenté. Ok, c'est parti pour le gris argenté. Comme je dis gros, gris rouge argenté parce que comme le gris est transparent et que derrière je vais couvrir avec du rouge, et ben il sera plus gris blanc mais gris rouge. Voilà. Gris-gris. Mmh. Il est où mon gris-gris? Il est là. Daniel, il dit grouge. Grouge. Ou grige? Grige ou grouge?
GB, si tu l'as, ta photo ou ton arabesque, si tu peux me l'envoyer, hein. Comme ça, je te réponds. Je vais le regarder pendant le live là vite fait, puis je te dirai. Alors, Tamia, j'ai pas regardé, j'ai vu que tu as sorti une vidéo. Comment une vidéo? Ouais, avant-hier. Je crois que je l'ai pas vu. Ah, il y a de l'eau chaude dedans. J'avais une question. Tony, t'as mis dans le Discord le comment pour les carreaux, on peut le mettre dans le général ou pas? Parce que il y avait eu des demandes de mettre les dans Oui, le le. lien, tu peux le mettre, ça me gêne pas. Il est fait. Voilà. Après, c'est parce que je crois que Christophe Legros m'a dit qu'il allait encore avoir trois carreaux qui allaient arriver, c'est bien ça? Oui, Tony. Ah, Voilà. pour les informations, pour ce. Enfin, Non, comme. Je sais mais pas. tu peux le communiquer. Après, clairement, si un jour ou l'autre j'estime qu'il y a trop de commandes, je dirais stop à un moment donné, tu vois. En Bah, fait, tu clôtures, et puis voilà. ouais, c'est ça, je préfère dire à un moment donné si ça marche trop bien, bah, je dirais stop parce que. En fait, Bah, si je vu vois comme que je c'est peux parti, ça marchera pas. trop bien. Si je vois que je peux pas gérer et que je veux faire des mécontents, je préfère dire attention, stop, pendant un moment, je peux plus en prendre, tu Bah, tu oui. Trop Si, c'est tard, un bon on principe. fera un Discord. Mais oui, tu. Hop. Ou alors. On fera un Stropole, si t'as le droit. Je prendrai des petites mains qui viendront peindre avec moi. Je te parle à gouache, tu veux. Ok. Bon, tu feras les effets alors. Voilà, je ferai les effets que Stéphane veut. Voilà, toi tu seras chargé des effets de Stéphane. Voilà. C'est vrai en fait, bah tiens, oui, tiens, je te l'envoie sur le Discord les photos. Je te fais les effets cotorètes, moi. Tu vas Les effets effervescents. Des effets Ouais. cotorètes. C'est pas gentil, Christophe. Ouais, non, mais je sais, mais pourquoi je suis pas gentil? Bah parce que pour les cotorètes. Ouais, je suis Cotoret. Aujourd'hui. Nous C'est pour sommes ça que je Cotoret. me. C'est pour ça que je me permets. Ah, t'es cotorètes, toi? Ouais, Cotoret. Bah avec l'accident de moto que j'ai pris, tout ce que j'ai pris dans la tronche, comme dirait Coluche, c'était plus facile à tremper dans le plat directement que. Les effets que tu voudras Ouais, ils me dehors, ça va l'ont être. proposé à un moment et puis ça en est resté là. Ouais. Ils me l'ont proposé, je suis repassé trois fois sur le billard après. Ah ouais. Pour ton bras. Ah bah oui, moi c'est tout le bois. Ouais, bah moi je suis cotorep depuis l'âge de 25 ans. Mais bon, je te ramène plus qu'un. Mais bon, je le paye maintenant. Tu vas faire quelle couleur là, Tony? Là, je vais faire du orange. Ah non, du gris, du gris, du gris. Voilà, et là, t'as Steph qui saute en l'air. Va pas être simple parce qu'en fait, le toit il est bombé. Et après, là-bas, sur les côtés, bah, tout est en arrondi. Donc, je vais pas pouvoir le faire partout. Parce que, en fait, quand tu plaques pas un pochoir parfaitement, bah, en fait, l'effet il est raté. Et c'est justement le goût d'avoir un bon pochoir qui soit un peu amoureux, c'est ça? Ouais, mais le problème c'est que les pochoirs ils sont assez rigides quand même. Ça, c'est des pochoirs du commerce que tu as pris là? Ceux-là, oui, ils viennent de. Celui-là, c'est un BT Design. Il y en a qui viennent de chez Wish. Celui-là, c'est un Wish. Voilà. En fait, la plupart de qu'on achète qui sont dispo chez BT Design sont disponibles sur Wish, hein, faut savoir. Et pour des prix 10 fois moins cher. Alors, regarde du carreau rose peinture au pinceau de chez Action. Et c'est une peinture allemande à la taxi. Avec le petit diable. Ouais, c'est mon petit diable avec son drapeau. Et tu vois la voiture là, elle est peinte. Bah, tu l'avais peut-être déjà vu sur Romain. Comme châssis? C'est un crawler, mais. Ouais, c'est mon crawler, c'est le même que j'avais mis au-dessus en blanc, en jaune, avec l'arrière en palette. Mais c'est un CRX ou bien c'est quoi? Non, non, c'est un Charisma. Un charisme. C'est le Coyote.
En fait, cette soirée-là, on déconnait, j'ai attrapé le pot de peinture acrylique, là, j'ai pris au pinceau, puis après, tu prends une éponge, puis tu nettoies, puis ta voiture redevient normale. T'as fait les petites planches en bois derrière, c'est toi aussi, mais... Bah ouais, il a fallu manger les glaces, hein. Ah, tu l'as pas vu, elle est un peu plus haut, maintenant finie en jaune Bah, vif, écoute, jaune alpine. j'avoue qu'on met tellement de choses. Ouais, je crois que c'est hier, je l'ai mis en. Toi, je vais regarder. Non, non. Ça passe vite, il dit 11 arrêts. Tu l'as mis quoi, Rémi, dans son colis? On n'entend plus. C'est vrai ça. C'est vrai qu'on l'entend plus. Il est tombé de sa chaise. Ah non, je suis à la vidéo, hein. Il est en train de faire une vidéo. Ah oui, il a dit. Non, mais je vois pas. Ah, je remonte très très haut, par contre. Arrête en 90-98 là. Arrête de remonter, Tamia. Bon, tant pis, je la vois pas. Bizarre. Il les a enlevés, c'est ça, mais... Non? Ouais, il y a ton... T'avais mis une photo du... une caisse américaine... C'est toi qui as mis là cette caisse américaine B17. Une B17? Non, mais la carrosserie style muscle car, enfin, je sais pas, style rat rod, là. Ça lui parle pas. Hein. Enfin, bref. Parler de ça avec Ben's Bike, puis avec qui l'autre soir? La carrosserie américaine, ou avec GB. Alors, Oui, c'est moi qui l'ai mis, ouais. Rémi, on veut tout savoir, Rémi. Peut-être mange pas les bonbons à David, Rémi, on sait jamais. David, tu peux nous dire ce qui se passe avec Rémi? Ben, je sais pas, hein. J'ai envoyé un sextoy. Ah, il est déjà en train de l'essayer. Hans-Beck ne veut pas une vidéo là. Unboxing et test. Bonsoir Christophe Heinz. Salut Christophe. Ah oui, c'est GB qui parlait de carreau américaine. Ok, ouais. Je trouve pas ton truc. Ton... Ah purée, Oh j'arrive là plus à parler. là, t'as du mal. Ton pick-up jaune. Même on a parlé pendant 1 heure avant, hein, déjà. Si ton tonton. Non, c'est bizarre, je trouve pas non plus. Ah, t'es d'accord. Les joues à Tamiya commencent à fatiguer. Il joue? Il joue, ouais. Oui, quand tu parles, tu dis comme moi, ça, que tu joues ça. Non, j'ai mal à... Non, c'est les dents du fond qui baignent. Exact. Non, j'ai faim, j'ai mangé à 6h30 aujourd'hui parce que ma femme elle avait un truc. Elle mange encore plus tôt que d'habitude. 6h30. C'est vrai, tu manges à 4h30, comme ça tu loupes le repas du midi et tu fais le petit déj, repas du midi et repas du soir en même temps. Ah ouais, t'as mis là dans la barre de recherche du Discord. Faut que tu tapes Stéphane 276 et tu vas la retrouver. Tu veux pas la remettre plutôt? Ah ouais. Non, mais quand tu es dans la barre de recherche, tu tapes Stéphane 276 et en fait, tu as l'apparition de tout ce que j'ai parlé. C'est où ça? Ah, en recherche en En haut, haut, en haut à droite. ouais. Donc tu tapes Chris 76 et tu vois toutes les bêtises. J'ai rien fait.
Ouais, mais bon, t'as 15 pseudos. Alors, lequel est le bon? Le 976, le 476? Non, c'est Steph276. Ouais, mais excuse-moi. Mais... C'est pas de ma faute, il y en a qui m'ont débaptisé. Ah, la jaune là. Ah, ouais, ok. Maintenant, elle est comme ça alors. Ouais, maintenant elle est pas en jaune. Sacré. Tu avais la photo de mon circuit hier, je l'ai tondu là, il est tout propre comme ça là. Où c'est que tu as envoyé ça, Stéphane? Donc, qui baille. Bah, quand tu tapes dans la barre de recherche en haut, tu tapes Steph276 et tu vas voir toutes les photos. Ouais, je suis sur ton Discord à toi, là. Tout à fait, Christophe Heitz. Pierre Decoux, Dej, Midi, Goûter, Repagnus. C'est celle que j'ai mis Stéphane276 le 15-1-2021. Ah non, celle-là, elle est sous Stéphane276. Non, je l'ai pas. Alors, si t'avais un pseudo, ça serait pas mal, mais... Non, c'est en fait qu'il y a le compte du portable, il n'est pas le même que le compte de l'ordi. Et en plus, comme j'ai changé il y a 476, il y a encore un troisième du coup. T'es là, Stéphane? Ouais. Je dis, il y a la perceuse à Romano, puis il y a le feu à Tony, enfin le sèche-cheveux à Tony. Sèche-cheveux, Effectivement. ça doit être plus chiant le sèche-cheveux, non? C'est plus bruyant. Ah, non, mais parce qu'il devient personnalisé, ton sèche-cheveux, là. Ah, d'accord. Je croyais que Puis tu parlais. Romano, il avait toujours une perceuse avec un accu, puis tout le monde lui demande où est passée sa perceuse. C'est vrai. Je croyais que tu me disais ça pour le bruit. Non, ça n'a rien à voir avec le bruit, c'est... De toute façon, Tony, d'après ce que j'ai remarqué, il se coupe tout seul ton micro dès qu'il y a trop de bruit. Non, c'est moi qui le fais Non? manuellement, Ah, c'est mais toi qui quand le je suis coupe. debout, D'accord. parce que là je suis trop loin là. Mais quand je suis debout, j'arrive à D'accord. accéder à la carte son. D'accord. Donc quand je suis debout, je le fais, et quand je suis assis, ça va. Salut, Fanatic Ride. Salut, Fana. Bon, encore sans ab... Non. Ouais, encore sans ab... Ouais, 1900. Sans abonnés, tu veux dire. Ouais. Oui, je me perds avec les chiffres. Sans abonnés? Tu vas y arriver, Tamia. Encore sans abo. Péling. Péling. Mais David, t'as envoyé quoi, Rémi? Parce qu'il a disparu, là. Oh, David, il est aussi en mute. Il est en train d'expliquer le mode d'emploi à Rémi. Jamais il comprend pas, c'est quoi? Sais pas. Et pourquoi Bumblebee il est tout seul dans le général? C'est pour pas être avec vous. C'est un être à part, ce Bumblebee. Il doit bouder. C'est un transformeur, la nuit change. Il a dit qu'il m'aime me suivre. Il n'y a personne qui l'a suivi. Stéphane. Et... Stéphane, il était mort. Il pleure tout seul dans son coin. Salut Non, il doit Sébastien. souder. Gentil Sébastien Fossel. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Bonsoir Sébastien. Bon courage, Tony. Bonne nuit à tous. Bah Oh, bonne nuit à toi. bonne nuit, mon cri-cri. Et ouais, repose-toi bien. Parce que je... Ouais, parce que je suis là. Monsieur RC Live. Fatigue. Guten Abend. Et j'espère que tu vas dormir avec ton épaule là. Bah, je prends les calmants. Parle allemand. Je prends des Allemands. On se Et connaît. bonne soirée à Bonne vous nuit. tous. Bonne nuit, Et Chris. bon live. Merci. Merci, bonne soirée. Ouais. C'est qui s'en va? Christophe? Il y a Monsieur RC Live dans la place. Monsieur RC Life, RC Live. en fait, moi je me Salut casse. RC.
On voit tout le monde après tout le monde. Il a redonné un élan d'honneur au STX. Je vois pas moi. Ah si, salut RC Life, salut, comment ça va? Bonsoir monsieur Patrice. Patrice Torres. C'est le mec du sud. Le sud. Quand c'est qu'il vient en Discord RC Life, il est jamais venu. Non, c'est ouais, vrai ça. Si tu veux, monsieur RC Life, tu es le bienvenu sur le Discord. D'ailleurs, comme ça. Parce que tous les autres youtubeurs sont venus. Hein. Eh, Benzvac, j'espère que tu l'as fait pas en vélo. Ah, son petit, il dort pas. Là, tu viens chuchoter alors. Huit cents kilomètres pour Benzbike, et ben bonne route Benzbike. Tout ça en vélo. Ah, il viendra, il s'engage à venir. RC Life. Merci. On a commencé à regarder une série à Netflix là. Comme on a vu que c'était premier en France, on s'est dit tiens, on va regarder. Quoi, Lupin? Lupin. Bref. Enfin, j'ai regardé 3-4 épisodes et j'ai laissé tomber. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il paraît que ça fait un méga carton. Ouais, mais c'est pas. Moi, je viens d'en commencer une ce soir. Tony, t'as une question d'RC Live? Oui. Il dit que son aérographe bug, il fait des bulles dans le réservoir et ça sort pas. C'est qu'il est bouché. Non, c'est que t'as mal serré la tête. Faut que tu serres un peu plus fort ta tête, ta buse devant. C'est parce que comme t'as un petit peu d'air qui passe devant. Ou son joint il est mort, entre la buse et puis l'aérographe. Voilà. Il a acheté l'aérographe à 30 euros d'Amazon. Non, mais ça. Moi aussi, ça me le fait avec un bon si je ne sers pas assez fort. C'est quoi, David? C'est bon, je me suis trompé. Putain. Ça. Mumblebee. Tu fais quoi? Mumblebee, il vient pas. Je sais pas, il fait la tête. Regarde, je vais te me le montrer. Gros plan sur l'aérographe. Donc là. Ouais. 4 euros AliExpress. 4 carreaux avec. Regarde là, je tire, il y a de la peinture qui sort. Maintenant, je desserre un tout petit peu ma buse. Regarde, ça fait des bulles. Voilà. Bon, j'avoue que là, je l'ai desserré d'un quart de tour. Voilà. Ça fait joli à part ça, hein. Ouais, on dirait une tête de Simpson. Ah, il a fait 4 carreaux avec. Ça fait 1 euro la carreau pour l'aérographe. Il est amorti là. Une ruche. 4 carreaux, c'est 4 euros, 4 carreaux. Ouais, c'est 1 euro la carreau.
Sauf Heinz demande quel aréographe pour se lancer. Bah, si c'est pour le lancer, il pourra en pas cher. Ouais, à 4 euros. Suivant les, la hauteur, l'étage, ouais, c'est ça. 4 euros, ouais, c'est pareil. Ça fait chier d'acheter un truc à pas cher, au bout de 4, il est bouché, il faut que tu commandes un joint, s'il faut, c'est pas ça. Ça vaut mieux, pas mieux le coup. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des Iwata qui commencent à 120 balles. Hein. Ouais, bon. En fait, je dirais, ça dépend quel aérographe pour se lancer. Ça dépend de ton budget, de tes moyens. Mais si t'as pas de budget et que tu prends le premier prix, tu vas y arriver. Comme RC Life, il dit, il a fait 4 carreaux avant d'avoir des problèmes. Moi, c'est pareil, j'en avais acheté un à 30 euros sur Amazon. Tu regarderas, j'ai fait une vidéo. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Elle s'appelle N'achetez pas cet aérographe d'Amazon. Voilà. Je pensais pas, quand je ferais ce titre de vidéo, je pensais pas que j'aurais. Que cette vidéo deviendrait la numéro 1 de ma chaîne. On a parlé un soir, hein, dès que tu mets Amazon dans une vidéo. Là, je m'attendais pas à ça. Je sais pas, je l'ai. Moi, ça m'avait tellement énervé que j'avais écrit ça. Ils t'ont rien dit, Amazon? Non. Faut qu'ils Ah, s'en mais aussi, foutent. pour RC Live, qui a une chaîne YouTube quand même. Mais oui, pour ceux qui Ouais. connaissent pas. Ah oui, RC c'est Live. vrai que je le dis pas, mais en fait, ça me paraît tellement logique que tout le monde le sait. Alors donc, Ouais. RC Life est un gros, gros YouTuber de la RC française. Donc, il a fait énormément de vidéos. Il est beaucoup plus vieux que moi dans le domaine, d'ailleurs. Comme moi, j'existe que depuis un an. Et bah lui, je ne sais même pas. C'est pour ça que je lui avais dit, viens sur le Discord. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne RC Life. Moi, je vous mets le lien là. Voilà. Alors, que vais-je faire? Ah merde, j'ai pas fait l'arrière. Oh, chiotte. Pourquoi j'ai enlevé mon gris? Ah ben, j'ai comme ça, je vais peut-être faire. Plus un youtubeur professionnel avec circuit intégré. Quoi? C'est un youtubeur international avec circuit intégré. Moi j'ai dit gros parce que quand j'ai commencé, j'ai regardé un peu les différentes chaînes et j'ai vu qu'RC Life il faisait plein de vidéos, donc je l'ai tout de suite classé dans les plus grandes chaînes de la RC en France. Je suis en train de te verser, faire rentrer de l'argent, Tony. Je laisse tourner les pubs sur ton Tony, sur ta chaîne. De quoi? Attends, excuse-moi, j'ai fait du bruit, j'entendais pas ce que tu disais. Je dis, je me suis déconnecté pour aller choper le lien de la chaîne de RC Life là. Quand je suis revenu sur ton YouTube, ça m'a fait tourner les pubs. Ah, bah, tu m'as fait gagner à peu près 0,01 centimes. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Tu me rendras la monnaie quand même. C'est vrai? Merde. C'est les carambars, tu lui envoies juste les papiers des carambars. Et Du encore, carambar. si t'as fait passer la pub, ça marche pas, hein, j'ai rien touché. Hein. Attention. Ah ouais? Ouais, non, j'en sais rien comment ça marche. J'en sais rien du tout. Stéphane, Yes. c'est plus fort. Hein. J'ai mis des effets gris devant et derrière, sur le rouge, je vais mettre des effets orange. Tu m'autorises? Autorise. Ou or? D'ailleurs, c'est pas mal. Or? En deux mots, il est en train de te dire qu'il est en train de se lâcher. Sur du orange, de l'or. Non, sur du rouge. Du rouge. Rouge et or. Bah, il m'a dit sang et or, il aimait bien le club de lance. Bah, vas-y, fonce. C'est lui qui m'a dit Ah, il y a ça. XLR qui pourrait expliquer comment fonctionnent les pubs. Qui ça? Il dit, je t'expliquerai comment marchent les vidéos, si tu veux, les pubs, je veux Ah, dire. c'est vrai que je ne sais pas comment ça marche, moi. J'en ai aucune idée. J'ai vu qu'RC Life était affilié à AliExpress. Ah bon? Ouais. Il a dû faire, bon, soit un petit partenariat. Oui, Il fait mettre tes Wentai. liens. C'est le Il suffit spécialiste de mettre Wentai. ton lien avec un lien affilié. Ouais. Et après, les gens, du moment qu'ils commandent en passant par ton lien, bah, tu as une petite remise qui est
qui t'est attribué sur ton compte. D'accord. Il veut monter sa Weltoy en 12S. Mais le souci, c'est que il marche en dollars américains et c'est à partir d'une certaine somme que tu peux récupérer la somme. Ouais, et puis j'imagine qu'il faudrait qu'il y ait énormément de gens qui commandent, quoi. Non, pas forcément. Non. J'ai le copain là qui passe, qui est un youtubeur et qui met des liens affiliés en dessous de la vidéo. Ouais. Donc dès que tu cliques dessus, si tu veux, l'acheteur, lui, ça va pas lui augmenter la somme. Mais c'est tout simplement lui, en passant par son lien, AliExpress le rétribue une somme quoi, sur chaque commande qui est passée par lui. Ah bon? Oui. Mais c'est bien structuré, quoi. Mais le souci, c'est que c'est infime. Ouais, j'imagine. Et il te paye à partir d'une certaine somme. Cette somme-là, c'est en dollars américains. Et quand tu fais le transfert du dollar en France... ils te prennent des frais. D'accord. Mais bon, c'est un petit plus. Voilà, un petit bout, pour un petit bout, par un petit bout. Ouais, toute la France faut faire Weltoy depuis Noël. Bah, c'est avec les photos qu'on fait un lac, hein, des fois. Ouais, non, mais moi, tout ce que je dis, c'est que bon, bah, j'ai beaucoup investi là au niveau peinture, donc c'est bien. Là, je suis en train d'amortir doucement avec la vente de quelques peintures de carrosserie. En fait, quand je dis amorti, je reviens dans mes frais. Le problème, c'est que plus je veux faire de la peinture de carrosserie, plus j'achète des peintures et des produits. Donc en fait, c'est un petit cercle vicieux. À un moment donné, je vais moins dépenser. Mais en tout cas, là, le début, il est que j'ai beaucoup acheté de produits. Et bah, ça te coûte des sous. Au début, ça te coûte des sous. Ouais. Et encore, si tu tiens les comptes, Tony, parce que si tu fais des calculs à la vite fait de tête, bon, des fois, tu penses que tu as récupéré, mais... J'ai pas tenu de compte, pas du tout. Ouais, donc... En fait, je préfère pas les faire. C'est un peu comme si on se disait, hey, « Eh les gars, depuis que vous faites du modélisme, combien vous avez dépensé d'argent ?» Pip, 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 pip. Alors, on commence par Tamia. Mais t'as vu, RC Life, il dit qu'il a gagné 88 dollars en 4 jours. Il change de conversation. Mais grave, Tamia, t'as changé de conversation là? Non, je m'occupe des youtubeurs. T'as pas répondu à ma question? Mais j'ai pas écouté au fait. On en a dit, on commence par toi. On fait le tour de table. Combien t'as dépensé d'argent dans le modélisme depuis que t'as commencé le modélisme? C'est une question qui fâche. Depuis 20 ans. Alors si tu sais pas, tu me dis juste depuis. Non, ben on va dire depuis un an. Depuis un an, allez, avec le confinement. Ah oh, putain, une question qui fâche aussi. Attends, mais je veux bien vous faire un calcul, oui. Oh, de tête. Ouais, ben, je regarde les véhicules récents que j'ai. 90 000 euros. Non, non. Et monsieur RC Life, à ton tour. En un an, combien t'as dépensé dans le modélisme? Et heureux tout le monde. Alors Rémi, on veut savoir. Bah, je suis trop content. Merci David pour ces autocollants de Tony RC. Et bien sûr pour la colle qu'on a dans cette émission. Alors j'ai déjà posé deux autocollants. Bah, d'ailleurs j'ai mis les photos sur Discord. Les deux petits autocollants. Voilà. Ouais, c'était l'occasion, j'ai demandé à Tony avant. Ouais, bah j'en suis très 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 content. Et j'ai fait la vidéo, j'ai plus qu'à la, et tu es à le la premier... poster sur Facebook et sur YouTube. Tu es le premier à avoir des autocollants Tony RC, attention. Ouais, ouais voilà. C'est le tout premier, c'est normal, hein. C'était David et moi, puisque ça vient de voilà. Et puis donc, bah là, c'est le premier officiellement à avoir reçu des autocollants. Premier abonné, voilà. Bah, quoi que c'est pas moi qui l'a reçu en premier, entre guillemets, vu que c'est... C'est toi qui les as reçus en premier, tes autocollants. Ouais, mais bon, moi, je veux dire, je suis le youtubeur. Ouais, je sais, mais je veux dire, tu m'as compris, quoi. Ouais. Tony, avec... En tout cas, encore merci, David. Merci, David. De rien. Ça fait plaisir que tu sois content. Avec la RX-8 ou sans la RX-8 que... Pardon, Tamia, je savais que les autocollants, ça te ferait plaisir. Attends, Tamia, juste avant toi, RC Life a répondu avant toi. Il a dit 9 800 euros en un an et demi.
Ouh, J'ai dit 90 000, j'étais pas loin. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il fait les comptes à peu près, hein. Ah ouais. Ah, ça fait mal, hein. Daniel aussi, hein. Daniel aussi? Ah, j'ai pas vu. Je suis juste au-dessus. Juste au-dessus d'RC Life, t'as Daniel qui a répondu. Les déplacements, tout. Ouais, bah moi, je suis incapable de le dire, mais à un moment donné, quand je faisais des compétitions des champions de France, j'osais pas regarder parce que je savais que je dépensais vraiment trop là-dedans, quoi. C'est ce que tu disais. Ah ouais, Tamiya, quand même. Tamiya, environ 8 000 euros en 9 mois. Confinement, hein. Il a dit, c'est l'année confinement. Mais là, tu comptes l'électricité pour charger les DAC. Qu'est-ce qu'il y a avec les deux extraits, hein. Qu'est-ce que t'as dit, Rémi? J'ai dit what? Pourquoi tu parles anglais, Rémi? Eh ouais, mais Rémi, c'est normal. C'est parce que ouais, toi, mais... tu ne travailles pas. Ouais, bah ouais, c'est ça. Non, mais en anglais, je parle quelques trucs, mais tu sais sans plus. Tu vois, c'est... Je connais mais... quelques trucs, mais pas tout. c'est avec les deux X-ray, hein, Tony, quand même. Là. Ah, d'accord. Ah, bah ouais. Les X-ray, déjà, il y en a pour 2000. Tony... Ah, c'est ça le modélisme. Oui. Ouais, puis ça, la lumière. On te demande dans quelle catégorie tu tournais, Christophe Heinz. J'ai fait du TT1 8e en CF national et de la piste 1 8e classique. En CF. Mais avant, il était inscrit dans un club de majorette. C'est quoi ? N'importe quoi. À David Toulouse de répondre. Attends, je compte comme ça, grossièrement. Il mange. Ouais. Un granola. T'es sponsorisé par granola, toi? Alors, j'ai acheté depuis avril, je crois. Hein. Le Creton. 600 balles de bagnole, plus chargeur, plus batterie. Allez, il y en avait pour 800... Allez, 900 euros. Bon, j'ai revendu, je ne sais plus, 400 ou 500. Ensuite, j'ai acheté un buggy au bao. À 350. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Deux autres au bao. À 300. J'ai mis des frais dedans parce qu'il fallait bricoler. J'ai revendu, j'ai acheté, bon, je dirais, moi, à la louche, 3 000 euros. Ouais, 4 000. Ah non, non. Si, parce que là, j'ai commandé, j'ai deux châssis qui sont en route. Donc, ça fait 200, 200, 400, ouais, 3 500 euros. Ouais. Sans compter les petites commandes que tu as fait à droite à gauche, que tu comptes. Ouais, les 40 euros par-ci, les 50 euros. Là, je viens de commander un cerveau. On est tous pareils, de toute façon. Après, quand tu fais. Ah oui, mais ça, je l'ai oublié, ça, je l'ai oublié. Et je trouve ça bien de ne pas compter dans un loisir, parce que du moment que tu commences à compter dans un loisir, on est bien d'accord. Mmh. Pas dans la compétition, dans un loisir. Si tu comptes tout, ben, de toute façon, tu n'as rien de gratuit. Tu n'as rien de gratuit. Tu vas faire du jogging, tu vas prendre une paire de pompes à 150 euros. Mais la paire de pompes, tu ne vas pas en prendre qu'une. Donc, tu vas, voilà, tu n'as pas un sport ou un loisir de gratuit. Et le loisir, si tu commences à compter le prix que tu as mis dedans, ben, il faut arrêter, parce qu'après, tu deviens limite comptable. Quoi. Tu ne fais plus plaisir. Life. Manu Bafou, 1500. Petit joueur, il dit. Ah non, mais après, il y a aussi que on voit que sur cette chaîne, on a quand même une certaine catégorie d'âge. Donc des gens qui ont souvent plus de la quarantaine. Et donc, du coup aussi, c'est plus des petits jeunes qui ont moins de 25 ans et qui font du modélisme avec moins de 1 000 euros par an. Quoi. Mmh. Ah Tony, excuse-moi, je t'interromps. Il y a Fab ou bien Maxime Coco qui n'a pas les droits pour mettre des photos sur le Discord apparemment, qui voulait poster sa voiture. Ah, j'en rajoute. Dans le modèle réduit, uniquement en loisir, tu regardes les pilotes de jet, les gens qui font du jet en modèle réduit, en réacteur. Maintenant, tu commences à parler à 10 000 euros, un produit qui vient juste de décoller. Mmh. Et avec un petit peu de finition agréable, avec train rentrant, avec des freins,
Maintenant, tu te commences à parler à 15 000 euros. L'avion, ouais. Sans assurance. Ah, mais les assurances? Bah, de plus en plus, maintenant, comme les sommes deviennent faramineuses, ils s'assurent, les gars. Ah oui. Mais après, c'est beau, mais c'est très, très cher. Enfin, Maxime, c'est bon, t'as les droits. Et après, tu en as tous les niveaux. C'est vrai que tu en as pour toutes les bourses. Mmh, c'est ce qui est bien. 500 euros, ça va être beaucoup dans l'année. Tu en as qu'à 3000 euros, ça va être beaucoup, très rien dans l'année. Ça dépend de tes rentrées, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend comment tu aimes, ça dépend si tu as plusieurs passions. Oui, et puis bon, moi, par exemple, là, je dis, j'ai investi 4000. Bon, déjà, je peux récupérer un peu de pognon quand je revends, quoi. De toute façon, on gagnerait de l'argent avec de la remodélisme, on serait tous riches. Oui, bien sûr. Mais après, moi, je suis pas. On a déjà parlé de ça, Daniel ou Tamia, qui accumulent les châssis. Moi, j'ai aucun souci pour me séparer d'une bagnole. Si j'en ai une autre en tête, ça me pose aucun problème. C'est vrai que Tamia, il veut pas se séparer de ses châssis. Si, si, voilà. J'en ai séparé d'un quand même. Ouais, mais tu l'avais en trois exemplaires. Oui. Oh, mais c'est bon. Ça y est. Mais quand même. Non, mais c'est vrai que vous êtes plutôt conservateur. Moi, j'ai vraiment. Là, j'ai acheté un XB2 parce que Tony a montré tout ça. Puis je me suis dit, tiens, allez, le TT à terre, ça m'a pas plu. Je laisse tomber ça. Et puis je me suis dit. C'est vrai que j'avoue, moi, j'ai fait le tour des chaînes. Ben voilà, ça fait des choses qui. Quand tu revois 10 fois un TRX4, ben, ça te fait envie au bout d'un moment. Ensuite, tu vois. 10 fois un tel voiture, ça te fait envie. Ensuite, mais Tamia, je pense qu'il n'est pas en train de te dire que c'est pas te faire envie, c'est au moment de les revendre. Voilà. Tu t'attaches énormément à ton matériel et que tu veux pas le revendre parce que c'est ton matériel. Oui, mmh. Puis, de toute façon, je vais perdre de l'argent. Ah, bah, c'est sûr, ça c'est. Je te dis tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on gagnerait de l'argent avec du modèle réduit, on vendrait tous du modèle réduit. Mmh. C'est pour ça que. Ouais. J'hésite quand même maintenant à en vendre quelques-unes. Maintenant que les deux X seraient là, j'ai plus de place. Mais enfin, je ne l'ai pas encore. Bienvenue au club. Voilà, on verra. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai acheté le XB2. Bah, je ne l'ai toujours pas mis en route parce que voilà, on ne peut pas en ce moment. Et je vais aller essayer au terrain. Si j'accroche, bah, tant mieux. Si j'accroche pas, j'aurai aucun souci à le revendre. Hein. Ouais, non, mais... une petite question, tu es en national, c'est bien parce que là avec YouTube, est-ce que votre terrain est ouvert, votre piste, est-ce qu'elle est ouverte? Où? Bah, chez vous. À Toulouse par exemple? Bah, un exemple, oui. On a Toulouse, on a la Suisse, on a tout ça. Bah, à Toulouse, c'est ouvert en tout cas. D'accord. Réservé aux abonnés. Et contrairement à ce que j'ai cru, c'est pas sur réservation. Mais il y a un... Tony, c'est ouvert, Tony, chez toi? Ouais, mais sur réservation, pas le jour même, et c'est limité à 6 personnes. Mais c'est l'indoor, là? Non, non, on a outdoor. On a les deux, on a un club indoor, mais il est fermé. Ouais. Le indoor chez nous à Marmagne, enfin à Carcébé, il va même être annulé, parce qu'il n'y avait pas assez de monde, et avec le confinement, c'était carrément annulé. Mais on a 8ème piste, là pour le moment il est fermé. Ouais. Enfin la piste bitume, qu'on va dire. Outdoor. Moi je me suis donné l'autorisation pour rouler sur la mienne. Oui, bon, moi aussi, c'est ce que je vais faire aussi. Je préviens quand même le président. Mais bon. Non, mais moi j'ai ma piste perso, donc c'est moi qui décide. Ah oui. C'est mieux. Ouais, Manu il dit que ça roule à Grenoble, Chambéry. Ouais, normalement en extérieur ça roule, il n'y a pas de souci. Bon, ça va pas durer, je pense. Non, je pense pas. Non. Quelle situation, je te jure. Bon. Après, pour revenir au XB2, j'ai aussi acheté un XB2 parce que il y a une des plus belles pistes de France, Astro, qui est pas loin de chez moi. Quoi. C'est carrément vrai. Mm. Elle donne tellement envie de rouler. Ah oui, Daniel, j'ai aussi des mini-Z, ouais. Oui, j'ai acheté une mini-Z aussi. Ouais, comment il sait, Daniel, il sait tout, là. Ouais, non, il suffit de regarder ta chaîne. Ouais.
Oh, je sais pas, c'est vrai. Ah merde, je fais une chaîne. Fab, il a compris qu'il a tu lui as. Ah, faut le redire. Dis-lui. Je lui dis, attends. Ah oui, une misère parce que tu te fais de la place. Ok, j'ai compris. Il m'a dit que je devais revendre une minisette pour faire de la place. Ok. Enfin, c'est un peu ça ce que j'ai fait, plus ou moins. Pas beaucoup de place. Non, c'est sûr. Hein, David? Ouais. C'est vrai que ce que je préfère, moi, c'est quand tu achètes un châssis, puis après tu dois trouver ton combo, ton cerveau, tu te commandes ton cerveau, tu vas recevoir toutes les pièces petit à petit, puis tu te le montes, et puis tu paramètres tout ça, et puis hop, c'est parti, quoi. C'est ça ce que je fais en ce moment avec la Burie. Bah ouais, c'est ce qu'on peut pas, j'ai envie de dire, on peut pas te payer sur des échelles 1, en gros, tu vois. Et puis même, tu peux te faire beaucoup plus plaisir. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Tu peux te faire beaucoup plus plaisir avec du modèle réduit qu'avec une voiture en réel. Voiture en réel, tu l'achètes, tu la mets dans un cours ou tu la mets chez toi. Et après, voilà, quoi, t'es content. Mais t'en as qu'une. Oh, tandis que là, en modèle réduit, tu peux en avoir, tu peux te permettre d'en avoir plusieurs, quoi. Oui, moi j'ai déjà fait. C'est sympa aussi. Tu as dans ton garage, tu sors le moteur, tu te commandes. J'ai fait. Voilà, tu fais une réflexion, tu vois, toi. Alors, pour répondre à Christophe Heitz. Il y a David Toulouse qui va te répondre. Parce que lui, il va te répondre à ça. Est-ce que quelqu'un a déjà roulé avec une plus petite que la mini-Z? Ah oui. Bonne nuit. Rémi, tu as deux options, Christophe. Tu as deux options, Christophe. Tu as la D-Nano de chez Kyosho, mais ça devient introuvable parce que ça ne se vend plus depuis une dizaine d'années. Mais on connaît qui m'en a gentiment vendu une. Et si tu veux vraiment t'amuser dans ton salon, moi, je te conseille la Turbo Racing. C'est une 1,76e. Ça se commande. Il y a des revendeurs français qui en vendent. Donc, je crois qu'il y a Orange Modélisme en France. Et il y a aussi RCPBM. Mais c'est plus dispo, je crois. Mais il y en a qui en ont. Il faut fouiner. Sinon, tu dois l'avoir sur Amazon, mais plus cher. Sur AliExpress, bien sûr, là où elle est le moins chère. Bon, tu as 10, 15 jours de délai. Et ça, c'est vraiment fandard. Moi, j'en ai deux. Je pensais jouer avec mon gosse avec, et en final, c'est mes deux enfants qui s'amusent dans le salon quand il fait pas beau, qu'il fait froid dehors et que ça pleut. Ils jouent avec ça pendant 20 minutes, ça les amuse, ils essayent de se rattraper, de se rentrer dedans. C'est super bien foutu parce que c'est une direction et un accélérateur progressif. Donc, c'est pas c'est une vraie RC, et franchement, c'est sympa. Ah, t'as regardé sur internet. Ah, 30... Alors, attention, te fais pas voir. Hein. À 38 euros, tu vas recevoir que la voiture. Regarde bien, il n'y a pas la radio. Il n'y a pas le... Il n'y a pas la radio. Les packs sont entre 50 et 60 euros environ pour la Turbo Racing. Mais c'est vraiment sympa et ça a l'air assez fiable. Mais regarde pas la D-Nano. Il en reste une à vendre en Europe. Elle est en Suisse, elle est à vendre à 500 euros. Il joue de la grosse caisse, ça y est. C'est pour moi, ça, que tu dis ça? Oui, parce qu'avec le bruit que tu viens de faire, ça fait le bruit d'une grosse caisse. Ah bon? Ouais, ça a résonné, ça fait don. Voilà. Bon, t'inquiète, pas une caisse. De rien, Christophe. En tout cas, les Turbo Racing, j'en ai deux, c'est vraiment fun. J'ai trois garçons, ça sera x4. Bah oui, pote. J'ai parfait. Non, t'as quatre garçons, tu t'es oublié.
Non, non, il a dit 4, il en commande 4. Ah, d'accord. Ah ouais, jolie femme, c'est la. Ah ouais, sympa. Ben, c'est la KO de Tony là qu'il a fait l'autre jour. Tiens, je regarde ça. Oh, elle est belle cette carreau aussi. Hein. Ouais. Ah, je l'adore. En fait, c'est Maxime Coco, hein, Pab. Ouais, c'est là. J'étais pas Elle est convaincu de ce parfaite. choix de couleur au début, Nickel. puis en fait, maintenant je l'adore. Discord, c'est Fab, Fabb, si jamais c'est Maxime Coco, c'est là. Elle fait partie des carreaux Il que j'ai m'a pas. avoué qu'il aimait bien les noix de coco. Hein. Voilà. Elle fait partie des carreaux que j'avais pas envie de renvoyer, je voulais la garder. Oui. Après, il y a le design de cette carreau aussi qui est magnifique. Ouais, mais les couleurs, elle est bien. C'est pareil, Ah celle oui. de pour Tony Laston. Le choix des couleurs, il va vachement bien ensemble en fait. Ouais. Bonne nuit, Manu. Salut Il y a le Manu! design qui est beau, le choix des couleurs et la forme de la carrosserie aussi qui est belle. Ouais, bah au début, je la trouvais trop moche, la carreau. Je parle de la Obao. La BT? Ah, la Obao. Oh, mais la Obao, du coup, avec le design que tu as mis et les couleurs, franchement, elle ressort super bien. Heureusement que je zoome les photos, moi. C'est Lesquelles? une Obao, non, dessous. C'est un châssis Obao, bien. Pourquoi il est Ah, c'est un autocollant X-ray à Oui, travers le pare-brise. c'est un Ah, X. c'est une Il a mis un sticker vitrine. X-ray sur une Obao. Ah, pense qu'il ah, y avait pas pensé. tu t'es trahi, Fab. Non, je pense qu'il n'y avait pas pensé. De Que tu quoi? allais zoomer, que tu J'allais allais voir. zoomer pour Ah non, voir. mais moi je l'avais J'allais zoomer. vu. Je l'ai vu quand il m'a envoyé les photos. La prochaine fois, elle va prendre l'option vite fumée. C'est comme mon beau-frère qui a un PC portable et qui a mis une Une pomme pomme. d'Apple dessus. Non, mais ça, si c'est ton beauf, c'est parce que tu l'as trop saoulé. Bonne nuit, Daniel. Peut-être Non aussi. fanatique, on peut pas mettre une carreau de piste. En tout cas, pas de pure piste. Hein. Ouais. On peut tout faire, mais après, Ça va être t'as la moche. voiture qui décolle. Bonne nuit à Daniel. Bonne nuit, Daniel. Ouais, les pouces, Sébastien Fosser. Moi, c'est fait. Hein. Ah ouais, mais après toutes ces petites choses, c'est évocateur, tout ça. Idem. Il est toujours gentil, Sébastien Ouais, bonne Fosser. nuit à Claude Non, aussi. mais je t'embête, hein. Ah, une. Bonne nuit, Claude. Mais non, Bonne mais nuit, t'as une messieurs. Obao aussi avec autocollant X-ray. Bye Bonne nuit, Claude. Bonne soirée, Daniel. À Salut, demain. Claude. Ciao, Bonne nuit, ciao. Claude. Par contre, tu devrais demander à la stunt Maxime Coco, là, ils font des Oh. pièces en jeu sympa en carbone, là, apparemment pas si cher que ça pour Obao, hein. Ben, ce petit cerveau, ça boxe. Non, c'est sympa. Ça donne bien. Ah, mais c'est un XR8 quand même qui est dessus, alors. Ah oui. Un plus. Oui. En plus, il a mis le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir. Et en option, il a fait comme moi, une grille de moustiquaire pour protéger les lisses de votre tuyau. Prêt? Ouais, bien. Mais je dis, je sais pas s'ils se connaissent avec la stunt, mais la stunt, ils sont en train de mettre au point des pièces carbone pour Obao, les tourelles, puis le central, là, enfin la platine centrale. Ça a l'air sympa. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Moi aussi. Il me semble qu'il si, il me semble qu'il l'avait déjà fait déjà hein, les options carbone pour leur Obao. Bah, ça vient. Non, ça vient de. Il a fait. Il y a quoi, une semaine. Ouais, c'est en cours Non là. mais même je crois qu'il y avait je crois qu'il n'y a pas que c'est la stunt hein, qui fait les carbone hein. Je crois qu'il n'y avait pas que lui hein, mais il me semble que déjà en option même de chez Obao je crois qu'ils avaient déjà fait ça. Ouais, mais sur son Obao, les options carbone sur l'hyper VSE. Mais sur le VT, ça n'existe pas pour l'instant. Et c'est le mec, Ah ouais, ok. c'est R. S'il veut regarder Fab, c'est RC by G.
sur Facebook qui fait du carbone. Et la stunt lui a envoyé les tourelles avant, arrière, Dobao, VT pour qu'il en fabrique. Qu'il lui a envoyé et je crois qu'elles sont un peu à ajuster là. Donc ils vont reprendre le truc pour que ça soit nickel. Non, mais c'est joli là. Ils sont jolis ces moteurs VS-Line. Ouais. Ouais. Ils vont bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question en moteur. Je suis en train de regarder les moteurs pour ma future 1/12e. 21,5, Tony, entre le spec et le stock spec, il y a des grosses différences ou pas? Tu parles de quoi là? Les moteurs indice en 540. En 21,5 tours, il y a des specs et des stock specs. Stock spec, c'est quand tu roules en compétition officielle. Tu es obligé d'avoir un moteur stock. Ouais. Voilà. Et un spec. Le spec. C'est quoi ces bugs Discord à chaque fois cette soirée? Ça revient. C'est garanti pour les compétitions officielles. Il faut que tu sois plus puissant. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense pas. Je peux pas. Je fais pas de Formule 1, donc les 21,5 ils servent que en Formule 1. Hein, donc, Vous m'entendez là? Bah oui. Pourquoi tu parles de 21,5 Il avait disparu complètement, obligé de recharger. Ah, pourquoi tu me parles de Formule 1 Pour ma 1/12e que je suis au Phantom. Là. Ah, du 1/12e. Ah, d'accord. Donc j'ai trouvé le variateur, je disais l'autre fois. Je mets le Blinky de chez Performa, ouais. Qui vaut 50 balles. Apparemment, ça serait exactement le même que le Kyosho qui est vendu 130 ou 140. Et du coup, je cherche maintenant un moteur pour accoupler avec. Il y a le Performa, il est bien, mais il vaut 89 euros, 80 euros. Et puis bon, il y en a d'autres à 60 et à 40. Et puis je me dis que si ça fait l'affaire et que ça marche aussi bien, je vois pas pourquoi j'irais mettre le Performa à 80 balles. En fait, le Performa coûte très cher parce que il vient de Suisse et je sais pas de où il est fabriqué, mais du coup il y a plein de frais de douane et ça fait que ça augmente les prix à fond. Quoi. Ah ouais. Mais ça reste des moteurs qui sont assez identiques aux moteurs qui coûtent moins cher, carrément moins cher, tu vois. Ah ouais, j'ai l'impression. Après, entre spec et stock spec, je sais pas, renseigne-toi, essaye de trouver, parce que je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Voilà. David, je pense. Ah oui, mais c'est parce qu'il passe pas avec le ventilo, le joystick. C'est ça le problème. Ouais, ouais. GB Tony, je suis en train de découvrir. Performa, c'est Orion. Ah, il est là, monsieur, c'est où la loutre? Ah, ben il est là. Ouais, Performa, c'est Orion. Okay. Là, il y a le. Ouais. Okay, après, c'est vrai qu'ils sont petits. Hein. Moi, j'ai un Orion, le 10.1, là, mais le Pro, hein. Bon, il est cher celui-là. Ça vaut pas la peine. C'est pour mon Mac. Tamiya, c'est un 170 ou 160 ampères, il n'y a pas besoin de ça, mais il y a les versions light ou je sais pas quoi, mais elles sont assez chères. Bah, attends, je vais voir, David. Après, j'ai trouvé un super prix là, sur le moteur. Ah, t'as trouvé. Non, mais les mecs qui montent tous le moteur Kyosho. Non, mais c'est pas un moteur Kyosho. Bah, si tu veux, il a 180 euros ou 190 euros. Ouais. Moi, je l'ai trouvé moins cher et il peut me revenir à 100 balles. Mais bon. Ça me fait deux moteurs, même presque. Ouais, presque trois, quoi. Mais sinon, la loutre, t'as pas un. Enfin, j'en ai vu plusieurs là, sur AliExpress. Mais bon, je sais pas trop quoi prendre en 21,5. Il y en a 40, il y en a 50, il y en a 60. Si tu veux le meilleur, demande à la loutre parce qu'il vient de. Ah oui, c'est pour ça que formule. Je suis. Ouais. Mais non, si c'est pas pour avoir le meilleur, mais avoir quelque chose. Franchement. C'est pour mettre sur ta 1/12e. Bah oui. C'est du loisir. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller chercher un moteur à 80 euros? Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Donc il n'y a pas de question à se poser, tu t'en fous. Bah si, parce que si c'est que des daubes à 40 balles, je préfère mettre 60 ou 70 dans un bon, quoi, tu vois. J'ai pas trop de doutes. Tu vois, il dit qu'il a pris un SkyRC 21,5, mais il l'a préparé, quoi. Moi, j'ai pas envie de préparer un moteur, moi. Ouais, là, tu t'adresses à Monsieur Roséo. Bah oui. Non, et puis moi, en plus, il faut pas qu'on y mette trop de watts parce que
sur la Kyoshio Phantom, Kyoshio recommande un 21.5. Comme c'est une transmission par chaîne, si tu mets plus, tu peux bousiller la chaîne. Tiens, David, j'ai un vario pour toi. T'es pas obligé de mettre le ventilo en Orion. J'ai trouvé, moi. Attends, regarde. Ouais, ouais, attends. Ouais, mon Discord remarche maintenant sur le Mac. Chaud. Allez. Ah, je sais pas, il y a des problèmes avec Discord. À chaque fois, ça s'enlève. Je suis obligé de remettre à chaque fois. Depuis tout à l'heure, ça fait moins 3-4 fois qu'il s'enlève. Bidon gun included. Ah, moi aussi, j'ai enlevé et puis ça se met à tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ouais. Ça va, il est pas cher en plus, Tamia. Ah, il est pas trop cher, ça va. Impeccable. Impeccable. C'était trop là. Tu vas voir chez toi, ça? Hein? C'est là où tu te sers? Oui. On va regarder un peu ce qu'ils ont. RC Panzer. Mais pourtant, il est en français, le site. Oui, la moitié en français, la moitié en allemand. Ah, putain, ils sont chiants. Soit tu fais tout, soit tu fais rien, quoi. Ouais, mais nous, on est trilingue, alors, toi. Ouais, classique Tamia Car, voilà comment t'es tombé dedans. Panzer, c'est quoi? C'est Prencar? Bah, Panzer, c'est des tanks. Ah ouais, ok. Mais je sais pas, moi, t'es marrante. Moi, je connais que... En allemand, je connais une chanson, c'est tout. J'ai appris quand j'étais petit. Mais tu cherches quoi? Bah, rien, là, je regarde ce qu'ils vendent. Je sais pas ce que tu regardes, tu vois. Qu'est-ce que t'as regardé comme prépa, Stéphane Roséo, sur le moteur? Bah, il va nous dire qu'il l'a bobiné, débobiné, qu'il a refait des soudures en cuivre à 2.5. Le truc que je pourrais jamais faire, quoi. Ouais, l'Orient le moins cher, le Vortex R10, là, il est 119. Ouais, ça fait 100 euros, 120 kilos. Tu regardes. Bid Secret. Là, je t'ai dit, on a pas les mêmes choses que chez vous. Enfin, je sais pas. Hein. C'est rebadgé, ouais. Non, je vois Stéphane, je vois qu'il y a des Ares, dont abordables. Ares Pro Competition V2 en 21.5, 1760 kV. D'ailleurs, je vois que les kV en 21.5, c'est pas tous les mêmes. Hein. Il y en a 1760, j'en ai vu à 1850. Il y a les Surpass Hobby Rocket aussi, qui sont apparemment les rebadges de chez Wartel. C'est déjà un peu plus cher. Sinon, il y a le Surpass Hobby X Rocket. Ouais, il y en a pas mal, quoi. Ah ouais, le SMIL à 8.8 MAN, 4499. Ça commence à faire cher, le camion, quand même. Hein. Allez, Tamia. Oui. Tu me parles à moi? Non, on parle de la marque. Ah, Tamia, oui. Bah, si tu as un petit lien, la loutre, là, de ton moteur Sky RC, je veux bien. Là, je m'entends parler, je sais pas qui c'est encore. Non, c'est pas moi, Zep. Bon. À chaque fois avec toi, ça fait ça. Bah oui, je sais pas pourquoi. Attention, si je vérifie et que je trouve le coupable. Il sort. Il me semblait que Denis bougeait pas tellement. T'es décalé du lait. Ah, il a aussi des voitures propres, monsieur Maxime Coco. Là, il a un joli X-ray buggy, là. Mmh.
Il y a tout le monde qui part du Discord, mais... Ou bien non. Là, on est tous partis sur le site en Suisse. Là. Ah. Vous allez vous ruiner. Le premier camion, quand tu cliques, là, 5000 euros. T'as vu quoi, 5000 euros? Camion man. Non, non, c'est pas un camion. Oui, mais ça, c'est les gros, là, les camions. Tu peux mettre les bruiteurs, les machins, les remords. Ouais, tu es 14e, mais... Oui, mais c'est pas les camions TT01, ça, c'est les camions... comment? Vraiment maquette, quoi. XB. Bonsoir, c'est Rémi Modéliste. Bon, Bumblebee, il fait quoi? Il fait le tour de la Terre? Mais c'est quoi? Ah, AFK. Il est sur AFK, maintenant. Merci à la loutre. Ouais, oh, il est sympa celui-là. Ouais, il est joli. On va dire un Obi-Wing. Bon, c'est le même que le Surpasse en fait. Ultra low résistance, ça c'est pas mal. Avec le câble sensor. Bien ajouré. On va y mettre là 50 euros les 4 ou quoi. Pas mal ça. Ouais, je te mets dans mon panier. C'est quoi que t'as choisi? Ouais, j'ai pas choisi encore. D'abord on regarde, après on demande des conseils et après on prend une décision. C'est comme sur adopte un moteur pour echeless.com. Ouais. Bah, l'empêche, il m'a bien conseillé, Stéphane, je le remercie. Pour les cerveaux, tu sais, c'est compliqué de trouver des cerveaux low profile pas trop chers. Ouais, ça coûte vite cher. Ouais. Ouais. Et ben, il m'a dit, tiens, regarde les R12 sur AliExpress. Putain, je m'entends parler, c'est horrible, c'est qui? Bah, tu regardes celui qui s'allume quand tu parles. Ouais, mais c'est ce que je suis en train de faire parce que je vais bien arriver à trouver qui c'est. Et je vois bien que c'est Tamia Kit qui clignote de partout. Et j'aime bien, c'est que t'as vu, dès que ça arrive, il fait, c'est pas moi. Ouais, d'accord, mais jusqu'à maintenant, il y a rien, il y a tout qui allait bien. Là, on a parlé avec Claude. Mais ça, c'était il y a une heure. Ouais, mais c'est ça continue. Attends, je vérifie. Toi, Tamia, est-ce que ça continue de le faire? Oui, ça continue de le faire. Oui, mais toi, quand tu parles, ça s'allume aussi chez moi. Et pourquoi moi? C'est normal quand il parle. Tamia, tu raccroches Discord et tu te reconnectes, ça va régler le problème. Ouais, je vais voir. Allez, bonsoir Tamia. Bonne nuit. Alors, on va aller voir. Ok. Ok, Surpasse, ok. Ah, mais il me plaît bien celui que tu m'as envoyé, Stéphane. Et oui, je disais du coup, là, je m'entends toujours chez Tamia, c'est pas grave. Arrête de crier. Non, mais je sais pas. Ouais, bah, normalement, je baisse encore. Ouais, je sais pas. Bon, faut quand même que tu entendes tout le monde. Hein. Oui, mais je baisse le volume de mon micro, j'en sais rien. Là, ça donne quoi là? Bah écoute, ça a l'air de marcher. Non, ça, je m'entends tout le temps en écho chez toi. Attends. Oh, j'ai peut-être fait le faux truc. Mais pourquoi ça le ferait qu'avec moi? C'est ça que je comprends pas. Là, ça le fait plus. Et là, il a. Ah merde, c'est moi. Vous m'entendez plus? Bah non, je t'entendais pas là. Mais je m'entends plus parler en tout cas. Maintenant c'est bon. Ouais, c'est vrai. C'est moi, c'est Tamia Kit. Sim. C'est qui? On le sait que c'est toi.
Non, mais c'est Fab qui demande qui est en Suisse. En Suisse. Ça va, David? Oui. Ça résonne? Non, non, c'est bon, ça ne le fait plus. Ah, c'était moi, alors. Bah oui, mais c'est sûr, on le voit dans le Discord, ça clignote quand je parle. Chez toi. En fait, Ouais, mais parce que tu es le fort. Discord, il nous dit tout de suite qui c'est. Ben oui. Ah, j'ai trop violent. Et du coup, je disais que Stéphane m'a recommandé deux super cerveaux de chez Power HD à seulement 30 euros pour info sur AliExpress. La star commence, l'ami, arrête. Ah Parce non, que. alors. Je recontinue, c'est un essai pour voir chez qui. Là, ça le fait pas, là, ça le fait pas, là, ça le fait pas. Ne m'entends plus du coup. Si on l'a encore rigolé. Non, Bah, une fois sur deux, quoi. mais j'ai au minimum du gain là. Mais attends, mais t'es sur la CB avec Discord là ou quoi? Mais non, je suis sur mon Mac, mais j'ai un double micro stéréo. Alors. Ben, moi aussi, mais je comprends pas. Il est sur la HF du bateau. Ben, Là, ça le peut-être fait plus. j'ai le volume trop fort du Mac. C'est bon, ben? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais. Là, ça le fait plus. Ouais. Mais vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, tu vois ce réglage, ben, tu le mémorises et tu touches plus. Non, mais il n'y a que toi qui entends des voix. Non. Non, mais Non, moi, non, je moi sais aussi. pas. Tout le monde. Comment ça, toi aussi, ça y est, toi aussi, Vous moi. ne le dites pas aussi, les gars. Alors, bien sûr, après, ils croient que je lui fais des blagues. Stéphane, c'est vrai? Oui, il y avait un retour derrière. Ben, pourquoi tu me dis pas? Mais si on n'arrête pas de te le dire. En fait, tu crois pas. Excuse. Tu nous crois pas. Mais si, mais je peux pas deviner. Ben, on te le dit, donc t'as pas deviné. Maintenant, on t'entend pas, toi, pas. Non, mais c'est normal, il a le masque. Dans le Discord, c'est la Discord. Tony, tu as lu la question de Venom. Il te demande si c'est possible de repeindre une carrosserie déjà peinte, une technique pour enlever l'ancienne peinture en sachant que la carrosserie est déjà peinte d'origine. Oula, si c'est peint d'origine en usine, ça doit être un contre-collage d'une image, donc ça doit pas être enlevable. Si, si, moi j'ai réussi à enlever la mienne, là, celle qu'il y a dans les photos, j'ai réussi. C'est un truc qui était d'origine peint et j'ai réussi à l'enlever. Ah bon? Et je suis en train de chercher le produit. Ouais, mais y en a, c'est bah, y a le painkiller ou le Tamiya Remove Painter. Non, mais pas, moi j'ai acheté chez marchand de bricolage. Ok. Ah bah du coup, t'es calme. Ouais. Du coup, sur le lien que tu m'as envoyé, Stéphane, si t'es toujours là, il est pas noté ni rien. Le vendeur, t'as déjà commandé chez lui, toi ou pas?
On dirait que c'est sur passe. Bon, bah, il va m'en prendre alors. T'as des nouvelles de ton collier, David? Oh oui, là, ça bouge. Ouais, j'en ai pas mal à suivre. C'est ça qui est chiant aussi. Il y a Fab qui essaye de refourguer sa belle-mère. Là. C'est Fab aussi qui en a eu. De quoi? Un moteur, comme me disait. Non, c'est la loutre. C'est la loutre qui l'a mis. Pourquoi je vois pas qu'il y a le nom de la loutre? Bah, tout au début, l'autre. C'était envoyé au début. Tu as fait la traduction en français. C'est surpassé. Ouais, ouais. C'est né moteur, brochette, voiture. T'es trop bas en déclenchement de micro, je pense, Tamia, parce que ça coupe. Oh, bah, c'est bon. Non, c'est vrai. Les gars, là. Vous savez, là. Non, c'est vrai que là, il manque des voyelles. J'ai pas le bon. Il est aux oignons. On a compris juste oignon. Il est à la soupe à l'oignon, c'est ça? Et maintenant, allô, allô. Ah, là, c'est mieux. Fallait pas lui répondre, Stéphane, à ce moment-là. Je dirais, il a dit que allô, allô. À l'huile. Ah non, là, ça graisse pas. Là. Bientôt, toi, zéro, le gain. Non, mais c'est le fait que les haut-parleurs sont intégrés. C'est les Mac, quoi. Ah, super, là. Ça marche, là? Non, moi, je regarde ma carte. Tu regardes ta carte. Ah ouais, c'est cool. Ah, on voit bien le côté 100 et or, là, ça fait chouette. Ouais, alors t'as vu? Là, on est sur du 100 et or. Par contre, on t'entend pas parler, Tony. Hugues! Damien, tu as un problème avec ton micro. Donc là, on est sur du 100 et or. Ici et là c'est du argenté, tu vois. Ah ouais, ça fait cool. Voilà, donc tu auras un petit effet plutôt argenté froid sur l'avant, et puis là j'ai fait du bleu avec des petits nids d'abeilles violets, enfin on voit pas d'ici, voilà, nids d'abeilles. Ah ouais, on voit bien là. Voilà, et des petits circuits électriques ici. Sur l'arrière, violacé, tu vois, sur le dessus du bleu. Ah ouais, ça fait super cool. Tu vois? Merde, je suis en retard. David? Oui. Non, mais je sais pas. Ah, j'ai resserré le casque. Ouais, non, c'est pas ça. Sébastien Fosser, m'entends-tu? Non. Non, mais il dit que j'ai des problèmes avec mon micro, maintenant. Énorme. La longueur. Maxime, il demande quelle est la différence entre deux moteurs à part la longueur. Le couple, je pense. Je pense que le plus long a plus de couple, à mon avis. C'est vraiment KS Mod, la loutre? Je sais pas comment il fait, la loutre. Il est sur Messenger, YouTube, Discord en même temps. Et moi, et je te jure, hein, quand il m'écrivait. Et YouPorn. Ah, ça peut être. Et du coup, il lui faut une troisième main. Et. Maxime, excuse pour répondre à Maxime, c'est les KV, c'est les mêmes ou bien il y a des KV différents dans les deux moteurs? C'est les aimants à l'intérieur, c'est pas les mêmes. Ouais, tu vas avoir plus de couple avec le 40-78.
Oui, c'est ce que je lui disais, mais pas Ah, je sur le pense. même. Le nombre de KV, à KV égal, oui, tu as plus de couples avec l'autre, le 78. Oui, alors tu as plus de couples avec le 78. Ouais. Ça sera plus pour un huitième, un truggy ou un huitième truck. Mais sur une GT ou sur. Voilà, ça va très bien. 40-68. Ah, plus de KV. Oui, mais. En fait, j'adore enlever la peau quand elle est bronzée. Ça va faire pareil, le carreau. Ça dépend de la femme. T'es sur la dernière couleur, Tony, là? Ah ouais, Sur le mais yellow. non, non, c'est pas la dernière parce qu'en fait, il m'a demandé un truc qui va prendre beaucoup de temps. Je pourrais pas le faire ce soir. Il m'a demandé d'écrire 276 sur les côtés. Alors, soit je le fais, je dois créer des pochoirs à l'imprimante, soit je le fais après la peinture. Je fabrique 276, j'ai du sticker autocollant, et dans ces cas-là, je gagnerai du temps. Voilà. Ouais, moi, t'as vu sur ma voiture, je l'ai fait directement, je les ai coupés dans le dans l'autocollant, mais si ah oui, il y a plus de y a plus de mastic dessus là. Si, 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 si. Ouais, mais au cutter. Ouais, ok, dire. Non, je veux te faire les choses bien. Hein. Je te fais les choses bien. C'est ce que je dis, c'est soit je le fais au pochoir, mais le plus propre, c'est limite de te faire un autocollant avec mon imprimante. Parce que Ouais, j'avais fait les chiffres comme sur la voiture de Sheriff et Wiper. ben, après, Les chiffres, si les tu chiffres connais au carré. la. Si tu connais la police, tu me donnes le nom de la police ou tu me l'envoies. Comme ça, tu auras la même police. Ouais. Non, justement, j'ai jamais trouvé la police de cette putain de lettre. Alors j'ai fait à la règle. T'as un logiciel pour trouver la police? Ouais, mais j'ai jamais trouvé ceux de la voiture le 01 Non, mais t'as de la cherché à la voiture main ou t'as orange. utilisé un logiciel qui te scanne ta police et qui te dit quelle police c'est? Ah bon? Ouais, ça existe. Ah. Tu ne savais pas. Non. Quoi, j'ai un vieux machin clipart, à mon avis, il est dedans. Alors, je crois que c'est Adobe Capture. Enfin, il faut un abonnement Adobe. Alors, le jaune, tu veux des effets dans le jaune ou pas? Ah, faut mieux continuer dans la continuité, sinon ça va faire bizarre, je pense. Bon, pas sûr, hein. On va voir, parce que trop d'effets, tu les fais aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit hein, à un moment donné. Ouais, et puis s'il fait du jaune un gros plat, ça peut te permettre de coller tes numéros là. Non mais les numéros, non, non, ils sont sur le sur la partie spéciale. Moi sur les Ouais. côtés, cette voiture, elle me fait penser à une Ferrari. McLaren devant, Ferrari sur les côtés. De toute façon, c'est une McLaren. Donc si elle te fait penser à une McLaren, c'est que c'est normal. C'est que Mais c'est normal. vraiment, moi, si je devais m'acheter, si j'avais les moyens de m'acheter une caisse comme ça à 100 000 ou 150 000 balles, entre Lamborghini, Ferrari, Porsche et tout ça, je prendrais une McLaren. C'est vrai que j'ai été faire un tour l'autre jour sur le site McLaren, ils Je vais sont te faire chauds. des effets un peu ceux-là. Ça va faire bien dans le jaune. Ouais, mais McLaren, c'est plus cher que Porsche. Tu me fais confiance? Je sais Ouais, pas. c'est fait, ouais, c'est chouette. C'est vrai qu'elles sont sympas, ces voitures.
Qu'est-ce qu'il y a, Tamia? J'ai dit, j'aime bien les McLaren aussi. Ça va pas très bien dans la neige. Comme tous les supercars. Non, mais moi, je rentre pas dedans, les Porsche. Monsieur. Si, je suis en train de faire un tout-terrain Lamborghini. Donc, c'est un jaune classique ou tu veux un jaune fluo? Un jaune alpine. Oh putain. En tout cas, il a l'air d'avoir un jaune. Sur les photos de la voiture de l'Aube, ça a l'air d'être un jaune assez foncé. Ouais, ça fait jaune alpine. Un peu comme la bande qu'il y a devant ton bureau là. Il nous mijote quoi, Bumblebee? Ouais, il est foncé ça. C'est un jaune limite orangé en fait. Bah ça, c'est... non, cette bande là, c'est jaune normal. Donc le jaune pas fluo. Si ça, ça te va, je mets ça. Bah, je sais pas, je vois pas la différence entre le jaune pas fluo et le jaune fluo. Le fluo, il passe pas en vidéo. Je peux te montrer. Ça, c'est un fluo. Celui que t'as fait les essais tout à l'heure, c'était quoi comme jaune? Il m'a l'air un peu pâle. Bah, ça, c'est le jaune normal. Jaune pâle. Après, j'ai un jaune... Le jaune, plus foncé a l'air d'être mieux. Attends, j'en ai un. Me tarde un peu. Un peu plus foncé, elle est où ma grille? Bah, celui du milieu, il a l'air plus jaune, il a l'air plus or. Non, alors c'est le plus foncé, j'en ai un, il est où? Faut que je trouve la bouteille. Le Basic Yellow. Qu'est-ce que j'ai noté? Fluo. Valero Basic Yellow. Elle est où la bouteille? Elle a disparu. Voilà, t'as les trois devant toi là. Non, j'en ai. Non. Il y en a une que j'ai rachetée entre deux. Et allez là. Voilà. Alors le Basic Yellow de chez Valero, il est un peu plus foncé. C'est celui-là. Ah ouais, celui-là il est mieux, ouais. Bah, c'est celui-là. Celui que t'as dit là tout à l'heure, celui-là. Je pense que c'est à peu près pareil, mais il est peut-être un peu plus pâle. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je me tâte avec quoi je vais faire, quelle couleur je vais faire les effets. Ouais, 110 000 euros, une McLaren à peu près. Les effets, tu les restes dans le jaune, non? Oui, les ça reste... Mais laquelle? Les récentes, la petite, la 570 GT, mais ça suffit. Ouais. Hein. Ça suffit, ouais. Mais ça va, 110 000 euros. Or, effet or sur jaune, c'est quasiment ton sur ton. Ouais, c'est ce que je pensais. Tony, tu as du bleu clair métallisé. Non, j'ai du bleu. J'ai du bleu clair. J'ai du turquoise iridescent. Donc là, c'est vraiment turquoise. C'est, on n'est pas loin d'un bleu vert, mais bleu turquoise iridescent. Donc c'est pas métallisé. Donc j'ai du bleu clair. Lui, il est quoi? J'ai du bleu fluo de chez Proline. Du bleu classique et j'ai en métallisé, j'ai du bleu iridescent et du bleu perlisé, donc c'est métallisé, mais ils sont, il est pas clair, tu vois, c'est, on est sur ces teintes bleues là ici. Voilà. Après GB, s'il te faut une teinte spécifique, ça peut se commander, hein. Il suffit voilà. Mais c'est vrai que dans les RC, on voit pas beaucoup de vert. Eh, hey, les mecs, faites-moi confiance. Si vous me demandez du vert, regardez. Voilà. Je vous ai commandé du vert. J'ai vu que t'aimais pas le vert. Bah ouais, mais c'est pas pour moi. C'est pas parce que j'aime pas que je vais pas en faire si on m'en demande. Voilà. Quoi qu'il avait fait une belle 403 vert métallisé, là, un peu comme celui de devant, là. T'as mis quoi dans ton panier? Allez voir. On va voir. Ah mais c'est nos cases. Ah bah attends. On va faire acheter une neuve.
Oui. Ah, c'est une photo, une vraie photo, c'est celle-là, tu crois, non? Bah si, si, oui. Non, mais c'est pas la photo de la voiture. Bah si. Oui, c'est le modèle, mais c'est pas la photo de ce qu'ils vendent. Si. Si, sauf que c'est un vendeur en Allemagne. C'est un import. Mais c'est une photo qui est contractuelle. Tu veux dire non, Non, je te contractuelle? dis. Ouais, je vais pas aller cliquer là. Une bêtise. Ah ouais, automne, oui, mais d'accord. Oui, je vois. C'est un mec qui est en stock en Allemagne. Par contre, j'aime pas l'avant, il fait bizarre. La peinture grise, là, ça fait bizarre. Ouais. Bah après, c'est le petit modèle. Non, ça n'est pas difficile, les gars. Non, franchement, là, je suis difficile. J'achèterai pas celle-là. Vous roulez bien que des obao. Bah, je t'en envoie une autre, Stéphane. Allez, j'aime bien les McLaren. Non, franchement, ça sort du commun. C'est épuré, là. En plus, c'est nous qui sommes fournisseurs de peinture de ces voitures. Ah mais oui, tu m'avais dit. Ouais. On a McLaren et Aston Martin en neuf, c'est les deux seuls qu'on fournit. Puis Bugatti. Non. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Et ma chef a eu l'occasion d'aller visiter l'usine. Enfin, c'est joli, mais bon. Je peux rien faire avec cette voiture. Ici, il y a le lift et tout dessus. T'as un bouton, t'appuies sur un bouton pour passer les dodanes, c'est bon. Allez, c'est vrai? Ah bah oui. Je savais pas. Ah bah je vais m'en acheter une. Ah bah vas-y. Je t'envoie le. J'ai mis le lien dans le Discord, Tony. T'as plus qu'à cliquer. Avec YouTube, tu peux. Kevin Talbot, il s'est payé une Lamborghini. Tu peux peut-être payer une McLaren. Hein. C'est vrai? Bah écoute, je la Bah. commande. Je la commande. Tout le monde laisse tourner les pubs pendant 12 ans. Peut-être tu peux t'acheter les pneus. C'est quoi là l'autre? Salaud! Ah bah ça y est, t'es au 1,94, Tony. C'est vrai? Bon, 1,9 alors. Cool. Ça le dit pas tout le temps quand il y a quelqu'un qui s'abonne. En fait, c'est quand quelqu'un s'abonne et qu'il est dans le chat, alors. Non, mais il y en a qui masquent leur état. Et il y en a qui ont masqué dans leurs préférences YouTube, tu sais. Ouais. Du coup, dans ces cas, on n'est pas informé. Il y a beaucoup de gens qui sont très soucieux de leur vie privée et qui Mais ils ont masquent raison. tout.
bon, on a quand même perdu un grand cascadeur hier et puis avant-hier, un grand bonhomme de la bande dessinée, là, Vaillant. Là. Ah oui. Ah, je croyais que tu allais dire Bakri. Oh, non, Craton, il est mort là. J'en ai vu une justement sur une étagère, je sais plus où, hein, qui avait fait une carrosserie à la Vaillant. Ah, j'avais vu, ouais. J'en ai vu passer une sur Facebook. Ouais, si je suis sur la chaîne Automoto demain matin, demain à 20h55, il y a un hommage à Michel Vaillant. C'est marrant, à l'intérieur, on croit que tu as fait une peinture Raptor. Ah bon? Ah, il est bouché, hein. Plus tu utilises des peintures comme du or avec plein de paillettes, plus vite tu bouches l'aérographe. Je te rassure, c'est pareil en vrai. Ah ouais? Ouais. Avec les gros pistolets? Ouais. Bah, ça bouge pas les pistolets, ça bouge les pompes. Ah ouais, les paillettes. Bah nous, en carrosserie, on avait des pistolets spéciaux pour les paillettes. Ouais, pour les grosses, après ça passe, mais les petites, ça passe sans problème, mais les grosses, on a des paillettes, nous, qui montent jusqu'à 80, 100 microns. Ça fait du gros, quoi. Bah là, j'ai vu, ils vendent des aérographes spéciales paillettes. Ouais. Des bus de 0,8, je crois. Ouais, bah même chez Kremlin, les pistolets à peinture pour les voitures, pour les peintures pailletées, il y avait des pistolets spéciaux. Bon, plus maintenant, hein. Maintenant c'est que du fin. Du fine sparkle. Ouais, moi je peins, j'ai peint avec de la peinture de l'époque, quoi. Ah, oui, oui. Ça déposait à mort, que si tu touchais pas le pistolet pendant 10 minutes, t'avais les paillettes qui allaient au fond. Ouais, mais même au point de vue de la pulvérisation de l'air, n'était pas pareil. Il y avait des buses à 4 jets d'air. Ça, il y avait métamérisme. Il y avait beaucoup de problèmes avant. J'ai le père d'un copain qui travaillait aux retouches chez Renault. Il lui avait fait repenser à ses 45 en marron. Il avait ajouté 3 teintes de paillettes et ça faisait génial la peinture. Oui. Il me reste un vieux pistolet, ça t'intéresse, Stéphane? Enfin, un vieux. Un ancien pistolet, mais neuf, récent, quoi. Un pistolet à suction. Ouais, bah, j'en ai plein, moi. J'ai récupéré tous ceux du garage. Ouais, bah, moi, j'en ai un tout neuf. Un Deville Bis, je crois. Bon, regardez. Ah, les Deville Bis, ouais, j'ai même une Deville Bis pour vaporiser de l'huile. Oui. À l'époque, chez Shell, il y avait un produit spécial là, tu vaporisais sous les carrosseries des voitures hein, et sur toutes les articulations pour les caoutchoucs. Ouais.
maintenant on va pour Experian, on change les caoutchoucs. Putain, c'est bien fait maintenant, les annonces. Dans le bon coin, le bon coin te fait une courbe avec la tendance de ton annonce. C'est-à-dire le nombre de vues par rapport au jour. Ouais. J'ai mis une annonce le samedi 16 janvier. J'ai fait 24 vues, puis ça descend. Le dimanche, je faisais 9 vues. Le lundi 18, j'ai fait 3 vues. Une vue le mardi, le mercredi, le jeudi 2 vues, vendredi 0 vues. Et tu vendais quoi? J'ai un pistolet électrostatique là et un suspirant tout neuf. Là, je vais t'envoyer le lien. Moi j'ai jamais peint, enfin si j'ai peint quelques trucs avec ça, mais vite fait quoi. Je t'ai envoyé. Oh, c'est quoi ce beau circuit là? C'est le circuit qu'on a chez nous. Que c'est pour ça que je me suis acheté des voitures. Là. Ils ont fait ça l'année passée. Et puis je vais aller essayer ça au printemps. Ah ouais. Oh, avec le petit en fait, il est en espalier le truc. Tiens, on a qu'à poser. On n'a jamais fait le tour de présenter les RC à Jervs. C'est vrai ça. Que tu peux nous expliquer un peu, Jervs, combien tu as de châssis, quel châssis tu as. Tu as des projets en cours. Peut-être pas entendu. Je crois que ses enfants ils lui parlent. Ouais. Non, c'est à coup, je t'allais avertir mon jeune de parler moins fort. j'ai un crawler SCX10 3 que j'ai acheté. C'est mon cadeau de Noël que je me suis fait. Après ça, j'ai commencé avec une Tamiya. Mais la Tamiya, c'est comme, je sais pas comment vous appelez ça, là, un clone peut-être, là, ceux-là qui sont tous en fibre de carbone puis en alu. Là. Ouais. C'est une TT-01, mais par contre, tout en carbone puis en alu. Là. Mais c'est pas vendu par Tamiya. Après ça, je me suis acheté un TT-02B. Ça, c'est en kit vraiment par Tamiya. Après ça, je me suis acheté d'occasion un troquis Timasso. Ouais. Et puis là, la semaine passée, j'ai acheté le buggy Timasso 1.8 aussi. Ah ouais, t'as le truggy et le buggy. Pardon? T'as les deux, le truggy et le buggy. Oui, c'est ça. Ben j'ai regardé, puis il y a beaucoup de pièces communes. Ça fait que ça fait moins de pièces en inventaire. Ben ce que je pense, j'ai pensé, j'étais allé avec ma logique là. Je sais pas si c'est bon, mais. Aussi, tu vas pouvoir te dépanner. Ouais, ben c'est ça. Que les différentiels c'est les mêmes. Après ça, il y a les bras de suspension qui changent, mais il y a beaucoup de pièces que c'est les mêmes. Ouais, il y a beaucoup de pièces en commun, c'est pratique. Puis, il y a beaucoup de Timasso ici dans la région. Là.
Ce que j'ai pu voir là, sur les forums et tout ça, là, il y a beaucoup de cimassos, là. Il y en a beaucoup qui courent là-dessus. Là. Ouais. Ah, c'est une marque américaine, hein? Oui, en plein ça. En plein ça. Du coup, il y a aussi beaucoup de losi. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire, je ne sais pas. J'ai pas fait. Moi, c'est ma première année de RC. J'ai acheté ma première RC. Ça fait environ un an et demi. Et puis, ben là, j'ai continué. Puis là, c'est ça. Là. Mais ça s'arrête plus après. Si, ça s'arrête. Confirme, ça s'arrête. Ah oui? Ouais. Trois jours. J'ai fait mes expériences avec la TT01 que j'ai achetée. Là. J'ai tellement pas de variateurs. Je m'entêtais à mettre beaucoup de KV. Là, puis j'ai les variateurs sautaient aussi. Ouais. J'achetais pas des variateurs de bonne qualité. Là, à ce temps, je vais juste dans le B-Wing. Oh, bah, B-Wing, c'est très bien. C'est du fiable. Oui, puis on vient qu'on connaît une sorte. Là, je sais comment les ajuster. Là, j'ai acheté les cartes de programmation de B-Wing. Sinon, nous autres, je pense que Castel est fort en masse aussi dans notre coin. Oui. Quand que j'en faisais dans la rue à côté de chez moi, et puis j'ai un nouveau voisin, puis je ne le connaissais pas, ça faisait peut-être un an et demi qu'il était là. Et puis là, je me suis mis à y parler. Il dit ouais, tu fais du RC un peu. Ben, j'ai dit ouais, comment j'ai acheté ça. En fin de compte, je me suis rendu compte que c'est un ancien compétiteur. Ah ouais? Il en faisait. Puis là, à me voir aller, ben, la piqûre, il a repogné, puis il s'est acheté deux châssis, un thermique puis un électrique, parce que lui, il courait juste par thermique. Mmh. Ah, excellent. Ouais, moi, j'ai vu ça aussi, mais je pense qu'il m'a mis Tony Mon, ça. Elle a dit, ouais, il a dû vouloir ça pour dire je fais comme tout le monde. Peut-être qu'il nous écoute. Ouais, mais en tout cas, j'ai jamais entendu de RC chez lui. Ouais. Bonne nuit Rémi, j'avais pas fait gaffe. Ouais, bonne nuit Rémi. Bonne nuit Rémi. Mais quand on commence la RC, il faut connaître un peu l'électronique parce que moi, avec mon métier, je fais beaucoup de programmation de pièces électroniques et des affaires de même. Là. Mais quelqu'un de vraiment néophyte là-dedans, qui n'a jamais rien connu d'électronique, il s'y perd, c'est pas trop long. Hein. Ouais. Tu sais où ils sont installés, Bombardier, au Québec? Ils sont au Québec ou au Canada, l'usine Bombardier pour les avions, là, qui a été rachetée par Airbus, d'ailleurs? Oh, non, OK. Nous autres, Bombardier, quand on parle de Bombardier, là, nous autres, c'est plus les motoneiges qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Là. Mais non, c'est plus vers Montréal. Là. C'est au Québec, mais c'est plus vers Montréal qu'il y a une usine, mais ils ont plus qu'une usine, là. Ouais. Sinon, ben, où est-ce que ça a parti Bombardier? C'est à Valcourt, à Québec. Où est-ce que les motoneiges ont commencé là, avec des affaires de même. C'est plus la même famille, là, mais ça a commencé de même. Ouais. J'étais allé visiter l'usine, d'ailleurs. L'usine puis le musée Bombardier. Là. Ouais.
Et comment vous êtes au niveau du virus là-bas, vous, au Québec, avec le Covid? Ben là, on est en confinement, là, puis on a à partir de 8 h le soir, il y a un couvre-feu. Et Ouais. puis, c'est ça. Puis il n'y a pas de commerce d'ouvert. Ben, il y a les commerces essentiels, là, Ouais. mais pas de restaurant d'ouvert. Une... C'est ça. C'est quand même assez tranquille. Mais nous autres, comme là, nous autres, dans ma région, le taux de nouveaux cas est vraiment bas. Ouais. Mais il englobe tout le Québec ensemble. Ça fait que on est pogné comme Montréal. Mais le gros de la pandémie, nous autres, c'est vraiment à Montréal, là. Ouais. Et ça vaccine? Au ralenti. Ça a commencé, mais là, on n'a plus de doses qui rentrent, là. Ils ont de la misère à se faire. Disons que nous autres, c'est le Canada qui gère ça, puis ils ont dormi au gaz au début, là. Ça fait que ils n'ont pas Ouais. fait les bons choix, disons. C'est Je veux comme pas nous, hein. critiquer parce que, je veux pas critiquer parce que je voudrais pas être à la place d'aucun politicien là, dans cette crise-là. Je pense que dans n'importe quel pays, je voudrais pas prendre la place d'aucun politicien. Ouais, moi non plus. De toute façon, je crois que c'est partout, hein, même en Italie, il y a aussi. Et comme je dis, hein, Ils font ouais, ils font ce qu'ils veulent. ça, c'est des situations que il n'y a pas grand monde qui ont connu ça, là. Non mais là surtout il y a des trucs avec Pfizer là qui disent qu'ils n'ont pas compté en flacon mais en dose et tout, donc ça fout un Voilà. bordel monstre. C'est un scandale. Nous chez nous on a des centres ouverts mais il n'y a pas de dose. Puis il y a aux États-Unis, nous autres, ce qu'on entend dire aux États-Unis, ils ont plein de doses, mais ils n'ont personne pour les. Ils manquent de monde pour les administrer. Bon, apparemment, ils se sont lancés un défi, les États-Unis, c'est de valider 100 millions de personnes en 100 jours, je crois. Ils vont vacciner 1 million de personnes par jour dans le pays depuis Biden. Tu peux aller en pharmacie puis te faire vacciner. Bon, je ne sais pas si c'est les pharmaciens qui vaccinent ou Ah, ils veulent je pas sais pour pas. Aux ça. États-Unis. Ouais, ça a été fait nous chez nous en France pour la grippe. On a délégué ça aux pharmaciens. Ils le faisaient très bien. Et puis maintenant, pour le Covid, ils veulent pas. Ah, ben nous autres, on n'est pas rendu de même. On n'est pas. Ils veulent pas faire vacciner les pharmaciens. Bah, pareil. Ouais, mais à première vue, ce que j'ai compris là, c'est que en fait, l'histoire du flacon qui sert pour 5 ou 6 doses, c'est super chiant à préparer. Ah oui. Toi, enfin bon, les préparateurs en pharmacie, ils savent le faire, hein, t'inquiète pas. Ah non, je parle pas des préparateurs, je parle de l'infirmière qui prépare la seringue. C'est super chiant à faire, il paraît. Ouais. Il doit y avoir des bonnes procédures. En tout cas, ma femme a eu ses grands-parents aujourd'hui. Ils ont 90 ans, donc ils sont sur les listes prioritaires. Et même comme ça, on leur a dit que ce ne sera pas avant fin mars qu'ils auront accès au vaccin. Fait que c'est pas beaucoup plus vite que nous autres non plus, vous autres. Non, c'est pareil. Je crois que c'est un peu partout Bon, pareil. on est tous dans le même bain, hein. C'est tout. Voilà. Bon, c'est pour ça que tu m'aurais dit que là-bas au Québec, bonne nuit à la loutre. Tu m'aurais dit que là-bas au Québec, vous étiez bien tranquille, j'aurais peut-être fait une demande de mutation, quoi. Non, on est poigné là-dedans aussi, nous autres. On est vraiment là-dedans aussi. Oui. Et moi, quand ça ne me plaît pas, je me casse, moi. C'est pour ça que je cherche une terre d'accueil, là. À Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. On est en Suisse. C'est pareil en Suisse, vous Je êtes pense très précis. que sur Mars, ils n'en ont pas encore, c'est pas rendu là. Bon, Ouais,
Ouais, Israël, ils sont au top du top. Ils sont au premier de la courbe. Ils ont bien anticipé. Ils ont bien fait ce qu'il fallait. T'as pas vu leur partage aujourd'hui à la télé? Je sais plus où c'est que j'ai vu ça. C'est à Taïwan ou un truc comme ça là. Il y avait des Français qui se baladaient sans masque et tout. Ils avaient pas d'argent pour payer les amendes. Allez, des pompes, 50 pompes en plein soleil. Excellent. Je sais pas, des trucs comme Saint-Pierre et Miquelon et tout ça, s'ils l'ont là-bas. Je sais pas. En tout cas, les Allemands, ils ont vacciné aujourd'hui 1 million, 1,50 million, Italie 1,30, Espagne 1,10, la France 823 000. Sur Discord, on peut pas mettre de vidéo, je crois, hein? Ah, je sais pas. Si tu mets le lien, ouais. Non, c'est une vidéo personnelle à cause j'ai fait comme un genre de petite chambre à peinture, là, un petit endroit pour peinturer. Je vous avais montré ça, ça m'a rien coûté presque, puis ça fonctionne super bien. Il faut la mettre sur Facebook. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. T'as fini les granolas? Ouais. Ah, bah c'est biscuit de l'abbaye. Comme ils ont été sympas avec moi, ils m'ont invité autour de Normandie, du coup. Je leur rends l'appareil, j'achète des biscuits. J'ai joué un concours à inviter toute une journée en voiture suiveuse sur le tour de Normandie, c'était sympa. En fait, c'est quelle marque de couturier qui a des petits reflets comme ça là, sur ses sacs? C'est pas Yves Saint Laurent? Si, Yves Saint Laurent. Ah, c'est un client à moi. Enfin, c'est l'été maintenant. Il est le propriétaire en Normandie, il nous avait acheté une pelleteuse. Ah mais j'ai un client moi qui est connu, un Suisse, là, qui est dans les chevaux là, en Normandie, il a une maison en Normandie et il habite en Suisse. Ça s'appelle JB, non? Quoi? T'as une maison en Normandie? Non. T'as pas un haras? Un quoi? Un haran? Oui. Non, moi j'ai rien là. Il a le perroquet, lui. Ah, c'est le jeune. Pas que c'est connu en Suisse, il y a une grosse société en Suisse.
Ça va, Tony, pas trop fatigué? Si, je vais pas la finir ce soir. Ah ouais? Ouais. Bon bah ciao, bonne nuit. Tony. Je suis fatigué. Ah va, c'est 1 heure. Gentil. T'en reste beaucoup, Tony? Mais non, mais c'est à cause du lettrage qu'il veut faire. S'il veut que je le fasse en pochoir autocollant par l'intérieur en peinture, ben j'en ai fait, ça me rajoute au moins 1 heure et demie. Donc, je sais pas si c'est inenvisageable ce soir. Alors si je fais le blanc là, je la finis tout de suite. Puis demain, dans ces cas-là, je me fais les petits autocollants tranquillement que je rajoute par-dessus. Ça, c'est Stéphane qui voit. Endormi ou quoi? Non, moi j'étais chercher un bon verre d'eau glacée. Pas bon l'eau glacée. C'est le médecin qui parle, les gars. Donc t'as pas entendu ce que je viens de dire, Stéphane? Si, si, parce que j'ai le casque sur la tête. Il dort avec le casque. Et donc? C'est dingue, il y a le TK Drive. Ouais, mais ça, c'est. Je sais même pas s'ils existent encore. Non, mais par contre, on en trouve encore un peu quand même. Ça s'appelle. Il y avait plusieurs marques. Mécanormode, TK Drive, Letterset, il y avait plusieurs trucs. Pas pulvériser fort aujourd'hui. Ah, il est bouché en partie, m'abuse. Oh, c'est la bûche qui se bouche. Tout à fait. Notre pilote français, la Zarco, a repris les essais là aujourd'hui. Ah. J'ai vu qu'il commence à. Il a géré, il commence à rouler. Vous irez voir sur le groupe Facebook, je lis. On va aller voir. Bon, du coup, Stéphane, tu m'as pas répondu. Tu m'as dit quoi, Tony? Avant que tu parles de ton verre d'eau, je disais que je la finissais pas ce soir s'il fallait mettre les 276 en peinture. Par contre, si je fais le blanc et que je mets le 276 demain tranquillement en autocollant, elle sera finie là dans quelques minutes. Donc tu choisis quelle solution? Bah c'est comme tu veux, non? Mais mets-les en autocollant. Ok. Bon, bah elle sera finie dans quelques minutes alors. T'as commandé ces McLaren, David? Ouais. Je la vois pas. Gervs. Sur Facebook. Putain, il est bouché, lui. C'est sur le gros plan? Quoi? C'est sur le groupe Tony RC, non? Ben ouais, mais je la vois pas. Oh, ben. Ça met peut-être du temps alors. En train de traverser l'océan. Bah Ouais, oui. Mais il a fait le test. S'il n'a pas fait le test Covid, il est bloqué. Il vient de l'étranger, il est bloqué.
C'est ça, il y a 2 semaines de confinement. Il est parti, Claude. Oui, il y a déjà un moment. Ah, je n'ai pas entendu qu'il part. En vous deux, j'ai tellement tout baissé chez moi, j'entends plus rien, je vois plus rien. Non, de toute façon, il l'a dit dans le chat, pas en vocal. Ah, mais on t'entendait bien ronfler. Oh, très bien. Quoi? On t'entend très bien. Oui, mais j'ai baissé mes haut-parleurs pour pas que ça résonne. Ah, mais nous, on t'entend bien ronfler. Hein. Tu t'en remets, là. Ce que tu fais pour pas mettre les haut-parleurs, tu prends un vieux kit main libre et comme ça t'en mets un seul dans une oreille et comme ça t'entends très bien. Et puis, ouais, mais c'est mauvais pour les oreilles, les casques. Toujours réponse à tout. C'est vrai, on se rend pas compte, mais plus de dB qu'on pense. Ah, moi je l'ai la vidéo. Ah, peut-être dû arriver là. Non, je l'ai pas. Si, il faut aller la chercher dans la petite cloche. Comment ça? Je suis sur le groupe et je la vois pas. Ouais, moi je l'avais pas sur le groupe, mais par contre j'étais la chercher dans la petite cloche, elle y est, depuis sur 3 minutes. Non, moi je l'ai pas. Ouais, sur Facebook. Ouais, ça doit prendre un peu de temps, c'est tout. Ah, mais nous, avec le port du Havre, on a des accords avec le Canada. Ouais. Voilà, faut pas que Tony regarde ça, parce que sinon, Tony, demain, il arrête tout, il va nous faire une super caisse à peinture. J'avais le ventilateur, puis à part ça, ça m'a coûté 8$ pour faire ça. Mais c'est un test que je fais, mais ça fonctionne. Fait que je vais le faire mieux que ça là, un peu plus tard. Et bon, on entend David derrière. Ouh. Qu'est-ce que tu racontes? La vidéo, tu viens de la faire tout de suite, non, Kirf? Oui, oui, oui. C'est ça, dans la vidéo, on entend David. Oui. Ah, c'est ça. On entend David. Sur le groupe Facebook, Jars, il a mis une vidéo. Et dans la vidéo, on entend David qui parle derrière, dans le fond. Ah, ça y est, ben c'est lui qui résonne partout, c'est pas moi. Moi, je l'ai toujours pas, ce truc. Je vois sur le groupe, puis là, moi, je l'ai plus. Je comprends pas. C'est bizarre. Ça bug, comme dirait Rémi. Laisse-moi retourner à mes moteurs. Je la repartage dans le groupe, on verra si ça marche. Par contre, je comprends pas, c'est que c'est marqué depuis les notifications. Ouais, c'est calme, ouais, c'est tard. Ben oui, monsieur Kit. Non, mais c'est GB qui dit que c'est calme. Ben, c'est bizarre comment c'est arrivé sur Facebook.
Par contre, dans la chaîne à propos, c'est marqué visible tout le monde peut trouver ce groupe. C'est marqué Lille, Belgique, Suisse, France. Et il va falloir marquer Canada. Ah ben moi j'ai pas fait ce... J'ai même plus rien à voir. Il n'y a plus rien, Tamia. Il n'y a même plus YouTube. Si. Oh, mais GB, c'est celle de la X-Ray, la dernière vidéo. Tu l'as sûrement vue, non? Damien, ton moteur sous ta X-ray, est-ce qu'il est avec sensor ou sans sensor? Oh non, ça c'est un sensorless. Le prochain, il aura le senseur, mais j'avais ce kit chez moi déjà depuis un moment. Fallait que je l'utilise quand même, tu vois. Ah, c'est bien sûr. Mais ça marche bien, hein. Ouais, c'est un tout petit peu plus précis avec un sensor, mais franchement, pour du loisir. Ouais. C'est un peu plus. C'est plus fin que le sensor. C'est pas. Tony, il aura dû dans la couche de fond blanc. Ça avance. Oui, là, il fait la. J'ai l'impression, ouais. Ouais, ça lui rappelle le Canada. Comment? Ouais, mais J'ai dit, tu mets on un n'a pas fond. beaucoup on a pas beaucoup de neige cette année, puis on n'a pas eu des gros froids cette année là, comparé aux autres années là. On a vraiment un hiver clément cette année. Bon, ouais, ça va venir. Hein. Ouais, on a quand même d'habitude janvier, février, c'est nos deux gros mois, puis là, ben là, janvier est passé, ça fait qu'il reste février, là. C'est pareil, nous on a pratiquement vu une neige, puis là on a attendu, là on attend pour ce week-end. Mais globalement, on a moins d'hivers rudes qu'il y a quelques années. Bon, cette année, ça va encore. Oh ouais, mais à Toulouse, il y a 100 ans que vous n'avez pas vu de neige. Bon, 2010 et 2012, il y en a eu un petit peu, mais il y a 1,5 cm, quoi. Puis après, ça prend dans la matinée. C'était la panique, ou bien? Ah oui, ça devient la panique, oui. Fois, j'avais vu une vidéo sur YouTube du déneigement à Paris, puis que c'était commenté par des Québécois, justement, qui se foutaient de leur gueule. Ah oui. Oh bah. Il y avait 3 mm de neige sur le périphérique de Paris. Il y avait je sais pas si t'as vu Guerre, c'était sur YouTube, Bon, c'était il y mais a je un an, pense. ça, déjà. Hein? Non, j'ai pas vu. À chaque fois qu'il y a de la neige, les Québécois, ils le font. Non, non, mais je dis, il y avait des Québécois qui commentaient une vidéo française. Les Français, ils paniquaient parce qu'il y avait 2 mm de neige à Paris, puis les Québécois, ça les faisait rire. Ils commentaient la vidéo sur YouTube. Là. Je sais pas si je la retrouve, tiens. Moi, je me rappellerai toujours, moi je faisais beaucoup de déménagements de militaires et tout ça, et d'ambassadeurs, des machins comme ça, des gens qui arrivent à l'étranger. Un jour, avec une bagnole du Canada, en fait, c'était un grand Cherokee dedans, et les clés n'étaient pas dans le conteneur. Les clés étaient arrivées par la poste avant chez le déménageur, et le mec, il nous donne les clés, et en fait, ils avaient oublié de débrancher la batterie, et quand il a appuyé sur un bouton avec les clés, la voiture s'est mise à démarrer toute seule dans le conteneur.
oui. Ça, c'est fréquent. C'est très pratique. Moi, j'aimerais bien avoir cette option sur la mienne. Ouais, le mec il m'avait expliqué, en fait là-bas au Canada, bah, ils sortent pas de chez eux pour démarrer la voiture, comme ça ils la font Ben chauffer pendant qu'il déjeune et puis après bah, ils partent. La voiture est quand ils chaude. ont... Il y a le C'est chauffage populaire en stationnaire. masse. Pardon, Jack. Ah, il n'y a pas de problème. Vous avez les chauffages stationnaires aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tu sais, le chauffage qui est raccordé sur le réservoir de fuel, de gasoil. La Oui, descente. oui, oui. Oui, mais c'est pas tout commun à toutes les voitures, là. C'est pas. Oui. Ouais, le Webasto, pardon Stéphane. Moi j'en avais un, j'avais racheté comment un Nissan Cherokee, un Nissan. C'était quoi, j'avais un Nissan que j'avais racheté. Il venait de l'Est, des pays de l'Est. Par contre, lui, il avait la programmation du Webasto pour chauffer le moteur. Ouais, c'est fréquent en Allemagne, tout ça. Vous êtes là? Oui. Oui. On fait comment déjà pour partager le lien dans le Discord d'une vidéo YouTube? Collé. Bah, tu vas en haut dans la fenêtre de l'adresse internet, tu fais les deux doigts à droite. À copier l'URL de la vidéo, bien. Ouais. Après, tu la colles dans le Discord. Oui, mais j'étais pas sûr. Hein. J'ai trouvé cette vidéo là. L'escalier de chez moi qui est fait en bois du Canada. Parce qu'au Canada, pour envoyer à l'étranger, il faut absolument que le bois il soit rectifié et puis traité. Voilà. Vous êtes là? Ouais, mais je l'avais vu ça. Ah, t'avais vu. Ouais, à l'époque. Ouais. Oui, c'est vieux. Et dès qu'il y a trois flocons qui tombent à Paris, ça fait la une de BFM TV. Donc, Non, mais c'est commenté par des Québécois qui ouais, regardent la. mais. Regarde, girls. J'avais jamais vu. Du yogourt, des fruits et Ah, un peu de pardon, sucre. pardon, 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 pardon. Ouais, On n'y est plus. T'avais un beau guerre, vous. oui, c'est bon. Mais même au Québec, des fois, nous autres, ils passent des reportages à Montréal, qu'il est tombé de la neige, puis tout ça. Puis nous autres, on est plus dans le nord que Montréal. Puis eux autres, c'est sûr que la ville est plus grosse, ça, ça fait ils savent où mettre la neige. Puis, mais ils en font tellement, ils sont moins habitués de rouler nous autres, on appelle ça dans le gadou que nous autres. Ouais, mais bon, vous êtes quand même plus habitué que. Ouais, c'est juste l'habitude. Puis aussi, nous autres, on a ce qu'ils appellent des tailleurs à clous, là. Des pneus à clous. Ouais. Des tailleurs. Il y a beaucoup d'anglais, c'est anglais un peu. Hein. On me disait qu'au Québec, ils étaient encore plus français que nous. Ah non, non, on a beaucoup de mots anglais aussi, nous autres. Ouais. Je pense qu'on parle pas mieux français que personne. Qui parle Nous mieux autres, français que nous. on a un français qui est quand même assez connu ici qui a fait son hockey junior ici, puis qui est rendu dans la Ligue nationale, Antoine Roussel. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, puis il a fait dans ma ville, là, il a fait son hockey junior ici, là, pour les Saguenayens. Et puis, il a acheté, là,
il s'est marié avec une fille d'ici et puis il a acheté une érablière ici. Nous, moi, je suis à côté de Rouen, hein. Je suis à 20 km de Rouen. Hein. Et nous, on a beaucoup de Canadiens. Hein. Parce que l'Astor, il joue à Vancouver, mais dans saison morte, il revient ici. Très bien. Mais vous, pour le sport, tout ça, ça donne quoi au Canada? Tout est arrêté aussi? Tout est arrêté. Il y a juste... je sais pas si vous avez sûrement ça. Là. Nous autres, on appelle ça le sport hors études. Et puis là, vu qu'ils sont comme dans des bulles, ben là, ils ont le droit de faire le sport là-dedans. Mais quand ça n'a pas rapport avec l'école, c'est des équipes, mettons que tu inscris ton jeune dans le Pee-wee, dans le n'importe quoi, ben là, ça, c'est pas permis. C'est juste le sport hors études qui est avec l'école qui est permis. Ouais, tandis que nous, maintenant, ils ne peuvent plus. Même l'école, à l'école, c'est fini, c'est mort. Ah, OK. Ma fille, moi, est en danse au sport hors études. Et puis, là, alors, recommencer, ça fait une semaine. Là. Pour info, j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, les enfants, on ne les envoie plus dans les gymnases faire le sport. Donc, qu'est-ce que font les profs? Eh bien, ils les emmènent se promener en ville. Oh, moi, ils emmènent au parc, et, enfin, ils jouent. Ils font... Ouais, voilà. Et quand il pleut, bah, il reste dans les classes. Je le trouve bon en tabarouette, Tony, à peinturer jusqu'à cette heure-là. Vous autres, il est quand même assez tard là, chez vous. Une heure et demie du matin. OK, parce que moi, je serais prêt à peinturer, puis il est quelle heure? Il est 19h. Il est 19h30, puis ça ne me tente pas tout de commencer à peinturer à cette heure-là. Là. Je vais attendre à demain. Tu fais peinture avec l'aérographe aussi, Gervais? Oui, c'est Tony qui m'a, sans le vouloir, qui m'a influencé là-dedans. Encore mais un? Mais là, le problème, c'est que quand on le fait juste nous autres, on achète tout ça, mais là, comme là, j'avais plus de carreaux à peindre. Là. On ne peut pas en peindre à tous les jours. Tu mets la laque, Tony, ou le vernis? Ouais, c'est ça, c'est le vernis. J'ai pas suivi, mais du coup, tu l'as fini finalement alors? Bah, elle est finie, il restera des autocollants. On n'entend rien. Ouais, mais c'est normal, il est loin. Hein. Ouais, elle est quasiment finie, sauf les autocollants 276 et les chromes sur les vitres et tout ça. Ouais, il y a encore un peu de travail, elle est. Dans l'aspect général, elle est bientôt fine. Tu la défilmes pas alors? Si, je vais la défilmer. Est-ce qu'il faut des vitres teintées, monsieur Steph? Ouais, oui, il y a des vitres teintées, ouais. Mais oui, parce qu'après, sinon, il y a Tamia qui voit les. Qui voit l'intérieur, le voilier. Ah oui. Ouais. Il va voir le collant extrait qu'il va mettre dedans après. Non, mais ça me fait penser à mon beau-frère avec ses autocollants Apple sur son PC. Une base de Nico dessous, ça va se voir. Non, mais bonne guerre. Je vais la mettre sur une planche à roulettes.
Mais t'as trouvé ton Vario en fait, David, ou pas? Ah oui, oui. Je vais mettre le Blinky là de chez Performa. Tu l'as trouvé où? Bon, il est en vente sur RC Team là. J'ai 3 francs 6 sous, ça me fait les frais de port gratuits. Ah, mais il est moins cher à Florian. Ouais, je sais pas. Bon. Mais fais gaffe, il y a des variateurs Orion, les bas de gamme, ils vont mal. Hein. Non, mais là, le Performa, apparemment, ça va bien. Tu vas regarder, tiens, le Orion. Parce qu'il est rouge quand même, le Performa, ça me fait chier. Non, mais Orion, c'est le R10, regarde le R10. Ouais, mais je le connais celui-là. Ah, tu connais, ouais. Mais attends, mais il me semble que moi, le R10, je l'avais, mais sur un. Tamiya TT CC01. T'as plusieurs gammes. Ah, le R10, c'est pas bon, c'est du 45 ampères. Non, non, c'est pas celui-là. Ah, mais il y a le R10, mais celui qui vaut 200 euros. Non, il vaut 100 euros. Ah bon, ça? En Suisse. Attends, je te remets le lien. Ah, mais il vaut 400, celui que tu m'as envoyé de la Suisse. Non, mais je te mets un autre, ça, cette fois, Oh, je veux bien. Peut-être que tu le trouves en France aussi, moins cher. C'est un basique que tu veux, mais un bon. Ouais, ouais. 60 ampères, il faut. Mini. Ouais. Mais c'est bon. Voilà. Je te mets un. Écoute, je te mets un qui marche. Oui, il est un peu cher, mais ouais, c'est pas le plus cher. 90 ampères, ça joue. Oui, oui, ça doit le faire. 90. Vas-y. On boit, on va voir. Il y a Christophe qui nous dit il y a à 20 ans à cette heure-là on partait en boîte. Oh oui. Ah, c'était ouais, c'était ça. Puis on allait avant dans les bars où tu avais une entrée. Après, ils te donnaient une entrée gratuite, ils étaient partenaires avec la boîte. Et ils te donnaient une entrée gratuite avec une conso. Ouais. 4h du matin, tu finissais la boulangerie. Oui. Avec le pain bagna. C'est un binky aussi, hein. Ah ouais. Tu l'as envoyé là? Oui. R10 stock. Ah, ça m'intéresse. Mais c'est 100 balles, hein. Ouais, ouais, mais on va voir si on le trouve. Ouais, de toute façon, c'est. Je vais voir. Putain, on dirait que c'est sûr que ça va être le même que le Blinky, ça. Alors, ouais, c'est tout au budget, quoi. Peut-être. Oh, oui, oui, oui. C'est le même. Attends. Non, c'est pas pareil. On doit ton machin performant. Hein. Attends, je te l'envoie. On va te l'envoyer, mais C'est le combo. Ouais, c'est le combo, mais le Vario seul, il vaut 53 euros. Ah ouais. Attends, il est où ton lien que tu m'as envoyé? Le R10 stock. Ah, mais c'est. Ah, mais c'est pas le même contrôleur. Non. Il est pas mal, c'est 60 ampères. Bon, c'est bien 60 ampères. Oui, avant les vite tenter, n'oublie pas de coller la vignette. Quoi? Avant les vite tenter, il faut que tu colles la vignette véhicule électrique. C'est vrai?
Sinon, on va payer des taxes. C'est une blague. On va pas devoir le rouler dans les grandes villes. Vous avez ça, vous, en Suisse? De quoi? On va poser chez nous là, les vignettes pour rouler dans les villes. Oh, il y a des villes, ouais, on doit payer, mais c'est rare encore. Ah, je pense qu'il y a pas. Pouvoir enlever le film. Roulement de tambour. Un petit peu de place. Vite hein, quand on peint, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Non, mais souvent, quand tu bosses, ça passe plus vite que quand tu fais rien. Alors. Sont pas découpés hein, du coup ça fera peut-être un petit peu drôle. Avec le vernis tout de suite on a plus de mal à enlever le film hein. Le vernis ça retourne. Ah ouais. Alors, un bout de film, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bien d'enlever les gants. Non, on voit bien les couleurs. Chouette avec les mots arrière pas découpés. Et ben mais il est pénible ce film. Bon, il a essayé de laisser les roues derrière les carters. Il fait que de se casser ce film. Il y a un Belge qui va vouloir me lâcher dans ta place. Un quoi? Belge. Ça reprend un peu les couleurs de la Belgique. C'est vrai. Passé, il y a un autre pays aussi avec les couleurs comme ça, rouge, bleu, jaune, noir. Non, Stéphane, c'est presque un chrono, ça.
le blanc. Hein? Il y a un pink ou du bleu, jaune, rouge, jaune couleur? D'habitude, le film il s'arrache pas. Là, il part en petits morceaux, ce film. Elle a eu chaud pendant le transport. Ouais, il faut l'astiquer, hein, elle est pas stickée. De quoi? Ouais, il faut mettre les stickers. Ah, j'aime pas mal le bleu. On va finir ça demain. Elle est superbe. Ouais. Vraiment discret les effets dorés là, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Puis je trouve que ça change par rapport au design de tout le monde là. Tout le monde fait des lignes. Ouais. Ça change. Le fait d'avoir des grosses couleurs comme ça, ça change. Moi, je suis d'accord. Ça fait changement, c'est vrai. Vraiment belle. Ouais, ça fait super. Par contre, Tony, les vitres, on peut les teinter plus foncées encore. Là, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais j'ai insisté. En fait, ce nouveau produit de vitre, il est pas très sombre, j'ai l'impression, par rapport au Tamiya. Alors, je peux retenter, hein, je vais en remettre, hein, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai enlevé le film. Mais ouais, je vais retenter d'en remettre. Ouais. T'es sur un fond blanc, là, ça paraît moins aussi. Si tu mets ça sur un châssis, là, non, là, ça va paraître plus foncé. Ouais, mais il a l'air beaucoup plus transparent, celui-là. Il a raison, je veux dire. Regarde. T'as vu? Sur fond noir. Mmh. Noir, ouais. Je vais mettre un néon noir à l'intérieur. Bon. Ah, il faut du sticker. Hein. Ah oui, il faut du sticker. Cette déco demande plus de stickers, ça c'est clair. Ouais, c'est... Après, c'est normal, hein. Il a fait le design de la carreau de. Il s'est inspiré du design de la carreau de Sébastien Loeb, qui elle est recouverte de stickers. Mmh. Donc, Ah, il y a le lion de Red Bull qui ferait que ça va. Ça lui donne tout de suite machin, mais. Oui, le logo Red Bull fait beaucoup. Hein. Ça donne des ailes. Mmh. Tu m'as dit le logo Tony RC sur le pare-brise, hein, c'est ça? Ouais. Quand t'as fait un heureux avec tes stickers, là, David. Mmh. À 2 heureux pour l'instant. Ouais. Rémi, t'es tout content, là? Bah ouais. Ah ouais, ils sont sympas, ces stickers. Nickel. Bon, demain, je te fais le 276. Et puis, je mettrai les stickers de calandre. Ah oui, sinon, tu veux pas les stickers BT Design. Hein. Oh, je sais pas ce que faire.
Peut-être quand même les Seven sur les côtés, peut-être quand même. Je pense. Ouais, sur les portes. Demain, je vais les mettre tranquillos. Oui, les portes, ouais. Et non, je vais les mettre tranquillos et... Et en fait, c'est ça, c'est là que tu m'as fait mettre du jaune sur le capot, alors que l'ob, il a pas de jaune sur le capot, dehors. Non, mais ça... Le jaune sur le capot, je trouve que ça fait dormir. Ah, d'accord. Là, c'est bien d'inventer aussi, de copier, c'est bien, mais au bout d'un moment, si tout le monde a la même... Ah ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. La forme de ta carreau là est belle en colline. Hein. La forme de la carreau, elle est super belle. Ça, merci, ils ont bien bossé, merci, c'est sûr. Merci. Bon, Gars, faut tester une GT, alors. Ouais, il n'y a pas de piste ici. Il n'y a pas de circuit. Ben, j'en ai pas vu, peut-être à Québec, mais c'est à 2 heures de route d'ici quand même, de ce que je suis. Mais ils ont parlé de faire un circuit intérieur, là, la même gang qui ont fait le circuit TT, là, mais je ne sais pas si ça va être un circuit TT ou un circuit routier. Et vous trouvez un peu les mêmes marques en France ou bien vous avez un peu des choses différentes? Oui, par contre, il y a des marques qu'on voit moins un petit peu, là, comme Coralie, Obitech, ça, j'en ai pas trouvé là, du tout. Là, j'ai cherché dans les choses. Puis à part ça, ben, c'est, il y a beaucoup les marques américaines. À l'arrière, qui a chaud, on est capable. Vous avez X-Ray, Timasso, tout ça, ou bien pas? X-Ray, j'en ai pas vu. D'accord. J'en ai pas vu X-Ray. Il y a Traxxas, oui, quand même. Traxxas, oui, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça. Bon, les enfants, je vais couper le live. On te souhaite une bonne nuit. Bah ouais. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Ouais. Et puis bonne nuit à tous. Moi demain je peux faire la grasse mat, il n'y a pas les enfants. Pareil. Oh là, c'est les vacances. Ouais. On en profite. Bon, demain, Steph, on va mettre okay, bonne nuit. On mettra des stickers. Et on va la fignoler. Allez, bonne nuit à tous et merci à tous d'avoir suivi ce live. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, 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 bon